Le thème général est d'abord comment s'organiser pour la rencontre de l'époux. Et le thème d'aujourd'hui, Jésus revient. Les exigences et conditions pour une bonne préparation. Quelles sont les exigences de son retour? Quelles sont les conditions à suivre pour être réellement prêt lorsqu'il reviendra? Le Seigneur nous explique ce message. Afin de sortir plusieurs de l'ignorance. Parce que si nous voyons ce qui se passe dans le monde actuellement, nous-mêmes, en lisant les Écritures, nous comprenons que nous sommes au temps de la fin. Parce que ces choses, le Seigneur lui-même les a déjà annoncées d'avance. Et ce sont des choses qui doivent arriver pour nous avertir, pour nous prévenir que nous sommes au temps de la fin. Et parce que nous sommes au temps de la fin, et que nous avons été prévenus par les événements qui arrivent, par les choses qui se passent, nous devons tout faire pour nous préparer pour le retour de Jésus. La Bible nous a bien parlé de ces choses qui vont venir avant le retour de Jésus. Et ces choses viendront pour annoncer qu'il revient. Et parce que ces choses viennent et sont des bruits de guerre, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans le livre de Matthieu 24, ce sont des soulèvements, des persécutions atroces contre l'Église. Parce que ces choses arrivent pour étouffer la foi de plusieurs, l'Église doit vraiment réfléchir. En ces moments, en ces temps que nous vivons, et prendre une décision ferme pour ne pas être emporté par comme ceux du monde. Pour ne pas que le vent de la dispersion qui est en train de disperser les gens du monde, qui est en train de détruire les gens du monde, vous emporte également. Il faut que l'Église connaisse les exigences et les conditions pour une bonne préparation. Là, l'Église saura réellement comment se préparer pour que Jésus revienne la prendre. Alléluia. Amen. Et c'est même le but même de notre mission ici au Sénégal. Le Seigneur nous a donné une grande mission pour les nations et pour son peuple à travers le monde entier. Et cette mission a pour but de préparer tous les enfants de Dieu pour le retour de Jésus. Nous partons à l'église, nous avons accepté Jésus, mais quel est le but final de notre foi? Quel est le but final de cette foi que nous avons accepté? Est-ce que nous partons à l'église seulement parce que nous voyons les autres
qui le font? Est-ce que nous partons à l'église pour aller taper les mains, pour aller chanter, pour aller nous promener? Est-ce que nous avons accepté Jésus pour juste porter le nom chrétien, ou bien pourquoi nous avons accepté Jésus? Nardaye itoku Jésus-Christ, nardaye itoku itoku, nardaye itoku itoku, l'almoni yagati, l'almoni yagamile, nardaye itoku Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu doit savoir pourquoi il a accepté Jésus et quelle sera la finalité, quel sera le but final de sa foi, de sa marche avec Jésus sur la terre. Jésus-Christ. Amen. Si tu ignores cela, tu as passé beaucoup de temps à l'église. Tu as passé beaucoup de temps dans l'église, dans les quatre murs, mais tu ne comprendras rien et tu ne sauras rien. Et finalement, tu vas perdre le but pour lequel tu es venu. Et c'est très important que tu le saches dès maintenant. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est important que tu le saches aujourd'hui même. C'est maintenant qu'il faut. Donc, sois attentif pour réellement comprendre. Alléluia. Amen. Nous devons, je disais au début, qu'il y a des événements qui précéderont la venue de Jésus. Et c'est par ces événements que nous serons arrêtés. Par ces événements qui vont venir dans le monde, nous saurons que à telle époque, il se pourrait que Jésus-Christ soit là. Et ces événements ont été prévus parce qu'il veut sauver ceux qui lui appartiennent. Il a abrégé les jours parce qu'il connaît ceux qu'il veut sauver et il veut réellement les sauver. Il ne veut pas les perdre. C'est pourquoi dans le livre de Marc 13, 20, il est écrit: et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis, c'est-à-dire à cause de vous, à cause de toi et à cause de nous tous. Il a choisi ces jours et les a abrégés. Le montage est un livre de Marc 13, verset 20. Le montage est un livre de Marc 13, verset 20. Le montage est un livre de Marc 13, verset 20. Alléluia. Et parce que les jours sont abrégés et courts à leur fin, qu'est-ce que nous devons faire? Les jours courts à leur fin, nous, nous devons faire quoi? Nous devons racheter les temps. Nous devons tout faire pour racheter les temps. Ces jours sont des jours mauvais. Entraîner le monde dans le désordre. Ils peuvent entraîner le monde dans autre chose et égarer les païens. Mais nous qui avons connu le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? C'est en ce moment que nous devons commencer à réfléchir et à se souvenir des paroles du Seigneur. Et par ces paroles, il nous avait déjà prévenu, il nous avait déjà averti que ces choses arriveront. Et lorsque ces choses vont arriver, nous en tant que croyants, nous devons nous ressaisir un peu et réfléchir sur comment réellement se préparer pour sa venue. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne te sert à rien de connaître le Seigneur et d'avoir la même finalité que ceux qui ne le connaissent pas, d'avoir la même conséquence que ceux qui ne le connaissent pas, et de finir en enfer comme ceux qui ne le connaissent pas. Nous avons reçu le renouvellement de l'intelligence pour mieux connaître Dieu et voir autrement. Et c'est par ce renouvellement de l'intelligence que nous jugeons les choses dans ce monde. Nous jugeons telle chose est bonne,
telle chose est mauvaise, telle chose est vraie, telle chose est faux. Et nous devons choisir ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est vrai selon Dieu. Et c'est lorsque nous choisissons ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est vrai selon la volonté de Dieu, que nous pouvons maintenant nous préparer réellement. Et c'est ces choses que nous allons connaître aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous nous préparons pour la venue de l'époux. Mais l'époux vient pour nous amener quelque part. Lorsqu'il va venir, il ne va pas nous prendre et nous allons rester sur la terre en même temps. Il vient nous prendre pour nous amener dans un lieu. Il veut nous amener dans son royaume. Il veut nous emmener quelque part. Et pourquoi il veut le faire? Il veut le faire pour nous préserver des choses de ce monde. Pour nous préserver des difficultés de la terre. Pour nous préserver des souffrances qui arriveront après sa venue. Parce que le monde sera plongé dans les ténèbres. Ceux du monde qui ne vont pas l'accepter et qui ne seront pas prêts lorsqu'il reviendra, ils vont souffrir. Et il veut que nous soyons à l'abri de ces souffrances-là. Parce qu'il y aura des événements très catastrophiques. Des événements très graves. Et Dieu ne veut pas que vous participiez à ces choses. C'est ce qu'il a fait depuis toute la création. Au temps de Noé, nous avons vu comment il a sauvé Noé et sa famille, et il a dit d'allaiter le monde. Et ceux qui vont accepter son message seront sauvés. Et ceux qui ne vont pas accepter son message seront détruits par le déluge, la pluie. Donc Dieu a toujours un point de sortie. Il a toujours prévu quelque chose pour nous délivrer lorsque le malheur arrive. Il a toujours prévu quelque chose pour nous enlever du malheur. Nous avons vu aussi au temps de Lot, il a sauvé Lot qui le craignait et qui avait sa marque. Si tu as vu Lot, de cette même manière, aujourd'hui, le Seigneur viendra sauver ceux qui le craignent réellement. Ceux qui marchent et qui ne marchent pas comme le monde. Ceux qui ont tourné les regards sur ces soumis, même dans les choses du monde, même dans les difficultés de la terre. Alléluia. Amen. Donc chacun doit d'abord savoir qui n'est pas de la terre. Parce qu'on te dit quoi? L'époux arrive. On te dit que tu dois te préparer pour sa rencontre. Cela montre qu'il vient de quelque part. Et quand il vient de quelque part, il vient te prendre comme épouse pour t'amener quelque part, n'est-ce pas? Donc chacun doit savoir qui n'a pas une origine terrestre en réalité, qui n'est pas issu de la terre et qui n'est plus de la terre. C'est bien vrai, nous avons été créés par la poussière de la terre, mais en réalité notre origine n'est pas de ce monde. Et Dieu veut nous ramener en réalité à notre origine au départ. Quand je parle de ce monde, je parle du monde du péché.
Donc lorsque l'époux arrivera, il va nous amener quelque part. Donc si je connais et je sais que l'époux viendra pour m'amener quelque part, alors je saurai comment me préparer pour sa venue. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas là où tu vas partir, et on te dit de te préparer, tu te prépares pour aller où? C'est comme quelqu'un qui veut prendre le train ou qui veut prendre le bus ou un moyen de déplacement. Il connaît le point de départ, il connaît aussi le point d'arrivée. Donc si tu ne connais pas le point d'arrivée, alors ta préparation est donc vaine. Mais aujourd'hui le Seigneur va nous montrer le point d'arrivée. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a des passages que moi-même je vais lire pour faciliter les choses et des passages que je vais vous demander de lire. 1 Pierre 2, le verset 11. Livre 1 Pierre 2, verset 11. Il n'y a pas de micro. Ok, envoie-lui le micro. 1 Pierre 2, le verset 11. Lisez avec autorité. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de s'adresser à l'église. 1 Pierre, chapitre 2. Au verset 11, oui, je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, oui, je vous exhorte, mm-hmm, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est quoi? Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. L'homme sur le ticard du lait, moi, Mangleni, Dolen, Mangleni, Yegel. Vous devez comprendre aujourd'hui que vous n'êtes pas de la terre. Vous n'êtes pas fait pour habiter éternellement sur la terre. Vous êtes des étrangers sur la terre. Vous êtes des voyageurs sur la terre. Vous êtes comme des pèlerins. Et un jour, vous allez quitter la terre. Un jour vous partirez de la terre. Alors chacun va se dire, si il arrive que je quitte la terre, quelle sera ma destination? S'il arrive que je quitte un jour ce monde où je suis pèlerin, où je suis voyageur, où je suis étranger, quelle sera ma destination? Là, il y a une prise de conscience qui doit commencer à naître en vous, à naître en chacun de nous. Et c'est cette réflexion qui va t'amener maintenant à réfléchir sur certaines choses qui vont t'empêcher de partir, qui vont t'empêcher d'être réellement un bon voyageur pendant ton temps de pèlerinage sur la terre. Vous voyez, si nous voyageons, je prends juste un simple exemple, lorsque nous voyageons peut-être avec des bagages ou avec des colis. Donc chacun doit savoir quel est le bagage qu'il a pris pour emprunter la route. Et ces bagages peuvent être lourds et peuvent t'empêcher réellement d'être léger pendant le voyage. C'est de cette même manière que la course vers le ciel, la course vers le royaume des cieux a aussi des exigences. Et sur la terre, il y a aussi des choses qui peuvent nous empêcher, nous rendre lourds sur le chemin lorsque nous l'empruntons. Il y a des choses
C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, l'a bien précisé. Vous êtes des voyageurs, vous n'êtes pas d'ici. Alors que personne ne prenne la terre comme demeure. Vous êtes comme des pèlerins, vous êtes comme des étrangers. Et vous êtes venus, vous allez partir. Mais que chacun s'abstient des convoitises Chanel qui font guerre à l'âme. Le motarit apôtre Paul dans des l'Erawani, il a tout qui cambien. Les convoitises Chanel font guerre à l'âme. N'abogabog adonasi des ressources. Et ton âme doit être préservée de ces convoitises Chanel, sinon tu vas rester. Nasuru narakotakale bagabaga adonoyoy buluyoy figede. Si tu ne préserves pas ton âme des convoitises Chanel, des choses que tu vois sur la terre, ces choses vont t'emporter. Seru boko serul ak banero adonasi xamani yoyile moyo bay vont t'empêcher, c'est-à-dire elles vont faire guerre avec ton âme et tu ne peux pas supporter cela, tu ne peux pas te défaire et tu ne peux pas t'en sortir parce que tu t'es adonné toi-même à ces convoitises qui vont finalement te détruire. Alléluia. Amen. Maintenant nous sommes voyageurs vers quelle destination? Nous allons revenir bien sûr sur les convoitises Chanel qui font guerre à l'âme. Nous allons bien expliquer leur impact sur l'âme, leur impact sur le corps, leur impact sur l'esprit et comment nous devons nous débarrasser de toutes ces choses pour être vraiment prêts. Mais nous allons vous montrer maintenant la destinée, la destination finale de cette course, de cette marche que nous visons. Alléluia. Lisez-moi Philippiens 3, 20. Philippiens 3, verset 20. Alléluia. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Aïe, tout qui cadre le nourrit, tu as donné. Oui. Philippiens 3, verset 20. Oui. Je dis au nom de Jésus. Mm-hmm. Mais notre cité à nous, oui, est dans les cieux, oui, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité à nous est où? Notre cité à nous est où? Notre cité à nous est où? Dans les cieux. Donc nous sommes sur la terre, mais nous sommes citoyens des cieux. Parce que notre cité est dans les cieux. Et nous marchons sur la terre comme étant des voyageurs, comme étant des étrangers sur la terre. Donc la terre n'est plus à nous. Maintenant, nous devons tout faire pour rejoindre la cité céleste qui nous a été prédestinée par Dieu. Si tu t'attaches aux choses de la terre, tu vas rester collé toujours à la terre. La terre va t'attirer. La terre va t'absorber. Tu vas rester ici. Mais lorsque tu t'attends au chaud du ciel, tu seras attiré par le ciel. Ceux qui s'attendent aux choses Chanel de la terre, aux yeux Chanel, et veulent marcher selon leur convoitise, selon leur désir, selon leur entendement, selon ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ils veulent être libres et vivre leur vie comme ils le veulent selon les yeux de la chair. Lorsque le retour du Seigneur sera là, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas encore respecté les exigences. Nous voulons donc à cette chalate, à cette bannière, pour une bonne préparation, Dieu nous exige de porter les regards uniquement sur les choses d'en haut, les choses du ciel, vers la cité céleste. Qui n'est pas de la terre, qui n'est pas de la corruption, mais qui est une cité incorruptible. Nous avons une cité incorruptible dans les cieux. Une cité incorruptible dans les cieux. Et c'est vers cette cité que nous devons porter les yeux, porter les regards et nous affectionner davantage pendant que nous sommes sur la terre. Si tu ne t'affectionnes pas à quelque chose, tu ne peux pas réellement t'adonner à cette chose.
Si tu ne t'affectionnes pas aux choses du ciel et que ton affection est seulement tournée vers les biens de la terre, vers les biens du monde, vers les choses que tu as sur la terre, alors qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être totalement collé à la terre que tu vas même oublier qu'il y a le ciel. Lorsque le temps du ciel va venir, tu ne peux pas partir. Alléluia. Amen. Donc à cause de cela, à cause de ce que Dieu te réserve, une cité dans les cieux, tu dois réellement te préparer et obéir à toutes les exigences que Dieu lui-même a prévues. Et parmi ces exigences, tu dois savoir que tu dois t'abstenir des convoitises Chanel qui font guerre à ton art. Les passions, les choses de la terre, les choses du monde. La terre aujourd'hui est comme ce moyen de déplacement qui t'amène à la destination finale. Et t'égarer, à t'éloigner et t'empêcher d'arriver dans la destination. Donc ce que tu dois faire, premièrement, c'est de te détacher directement des choses de la terre. Tu dois enlever ton regard sur les choses de la terre. Parce que ce que tes yeux Chanel voient, ton corps veut les avoir en même temps. Et c'est à toi de lutter contre la chair et ses désirs en toi. La chair et ses désirs qui veulent t'empêcher réellement de t'affectionner aux choses d'en haut, aux choses du ciel, pour être réellement avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Donc, parce que nous avons cette promesse, parce que nous avons reçu du Seigneur cette promesse, que notre corps sera transformé et que nous avons une cité au ciel, une cité dans les cieux, alors nous devons nous abstenir des désirs Chanel et Fonquet, la fornication, le mensonge, le vol, toutes ces choses sont des venins dans notre corps. Toutes ces choses sont des venins dans notre chair. Et lorsque tu bâtis ces choses dans le corps, tu vas croire que c'est pour une jouissance. Ça va te donner la joie éphémère. C'est comme un piège que le diable place dans le corps de chaque homme. Et qui l'amène à pratiquer les œuvres de la chair, à demeurer dans la chair et à croire qu'il est bien et que cela lui fait du bien. Non, moi je Ce que j'aime, c'est d'aller avec les filles, d'aller avec les femmes, d'aller visiter les plages, d'aller trouver une belle femme. Moi, ce que j'aime, c'est l'argent. Alors, il faut oublier d'abord Dieu pour chercher l'argent, etc., etc. C'est comme ça que vivent les païens. Et c'est à cause de cela que la colère de Dieu descend sur eux. C'est à cause de toutes ces choses qu'ils ne pourront jamais aller à, lorsque le Seigneur viendra. Ils ne pourront jamais le rencontrer, puisqu'ils ne le connaissent pas d'abord. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et en plus de ça, ils sont éloignés, ils sont très loin du Seigneur. Mais toi tu le connais. Et tu veux t'éloigner. C'est grave. Déjà que tu le connais, il faut que tu te rapproches davantage de lui. C'est lorsque tu vas te rapprocher davantage de lui que tu vas perdre les regards sur les choses de la terre, sur les choses du monde. Parce que je vous dis, c'est une course très, une course terrible. C'est une course comme à la montre. Et chacun sur la voie est en train de courir. Chacun sur la voie est en train de courir. Devant les difficultés.
devant les persécutions, devant ces choses, si tu commences à faire comme le monde, si tu commences à porter le regard sur les choses de la terre, ah, tu commences à considérer telle chose est belle, telle chose est bonne, c'est si bon. C'est de cette même manière Satan agit. Il a agi au commencement et il agit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à contempler le péché et à déconsidérer le péché. C'est-à-dire, le péché n'a pas de pouvoir à te détruire. Le péché n'a aucun impact mauvais sur toi. Le péché est bon. Quand tu vas pécher, tu seras comme Dieu. Tu vas découvrir le bien. Tu seras ce qui est mauvais. C'est ce qu'il a fait à Ève dans le chapitre. Et cette voix viendra te parler pour te détourner de l'essentiel et pour enlever la promesse de Dieu de ta tête. La promesse qui dit que nous avons une cité dans les cieux et d'où nous attendons notre Seigneur Jésus comme sauveur. Il viendra enlever ça de ta tête pour te dire que Jésus ne revient pas. C'est faux. À qui on a déjà dit ici que Jésus ne revient pas? Quand est-ce que vous avez dit Jésus-Christ? Lève le doigt. Levez le doigt. Montrez-les. Caméraman, s'il vous plaît. À qui on a déjà dit ici que Jésus, d'abord même Jésus n'existe pas? Hein? Et que Jésus ne reviendra jamais. Quand l'être de vous avoir dit Jésus-Christ mort existait, on ne t'a jamais dit ça. Comment, tous ceux qui on ne t'a jamais dit ça, que Jésus ne revient jamais. Et vous, vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais évangélisé quelqu'un et il vous a dit que Jésus n'existe pas et il ne revient pas. Voilà, je sais que chacun en a, chacun sait cela. Vous avez tous été victimes de ces personnes qui peut-être à l'évangélisation vous insultent ou vous bastonnent, vous frappent, vous disent des paroles méchantes pour dire que Jésus n'existe pas et que Jésus ne revient pas. C'est la voix du malin qui va essayer de vous décourager d'abord par les paroles, aussi par les persécutions, par les choses, pour que vous oubliez cette promesse de Dieu qui vous dit qu'il viendra comme sauveur pour vous amener dans la cité de gloire. Non le Seigneur est bien, ni le fatigué ni voilà bien avant la jalousie, ni le gérer ni ni le gérer la vie, ni aucun agent. Alléluia. Le verset 21 nous dit toujours Philippiens 3 21. Ni que j'ai Philippiens bataille verset 23. Est-ce que vous pouvez lire? Ben je le lis en même temps. Il dit: qui transformera le corps de notre humiliation? Il va transformer le corps de ton humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il va transformer le corps de l'humiliation que nous portons. Ce corps de l'humiliation, c'est le corps qui peut mourir. C'est le corps qui peut tomber malade. C'est le corps qui peut sentir les douleurs. C'est le corps qui peut disparaître. Mais le corps qui va nous faire porter est un corps de gloire. Et il nous a fait cette promesse. Attends, qui ne voudra pas réellement porter ce corps de gloire? On dit que Dieu va enlever le corps d'humiliation que tu as. Et il va te donner un nouveau corps de gloire. Un nouveau corps qui ne va pas mourir. Un nouveau corps qui ne va pas se corrompre. Un nouveau corps qui ne sera pas touché par la maladie. Qui ne voudra pas cela? Personne. Ce que tous les hommes veulent aujourd'hui, c'est l'immortalité. Tous les hommes veulent vivre éternellement. Et c'est ce que les grands de ce monde recherchent jusqu'à un jour. Ils font même des recherches, ils font même des inventions scientifiques pour pouvoir atteindre l'immortalité et ne jamais mourir. Malgré toutes leurs inventions, malgré leurs recherches, ils n'arrivent jamais. Mais Dieu te fait cette promesse et te dit, si réellement
tu marches dans mes voies, si réellement tu marches selon mes conditions, établis mes exigences, je te ferai voir ma cité céleste et je changerai ton corps, je transformerai ton corps en un corps de gloire, en un corps qui ne mourra jamais. Yalla tamit doxnala digé bobulé su féké gëm nga ko dina la jox yaram bi nga xamantene yaram bobu du fébar yaram bobu du dé yaram bobu ci nga dund ga du dé. Alléluia. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens 15 53 dit ceci. Livre 1 Corinthiens 15 verset 53 néna car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Pour que la mort soit réellement engloutie dans la victoire, pour toi, il faut réellement respecter les exigences. Lorsque tu t'affectionnes aux choses de la terre, la mort ne peut pas être engloutie. Parce que la terre fait naître la mort. Et la terre va t'avaler comme elle avale ceux qui meurent plus tôt. Si Dieu t'appelle aujourd'hui à l'affection des choses du ciel, à travailler pour les choses du ciel et à te débarrasser des choses de la terre, des choses que la chair veut que tu fasses pour réellement hériter cette gloire. Alléluia. Amen. Lisez-moi le livre de Colossiens 3. Colossiens 3. Lire le même livre Colossiens 3. Colossiens 3. À partir du premier verset. Tamaleko, tu as verset vous dire que vous. Colossiens chapitre 3. Au verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, oui. Cherchez les choses d'en haut. Oui. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Amen. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Hein? Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Non, moi Jésus-Christ, votre bouddha aussi est fait, non, rien ne t'a fait. Mais avant que tu ne paraisses dans la gloire, il faut que tu fasses mourir les membres du corps. Les membres du corps, les membres du corps doivent mourir. Ouais, balanga fait à nom Jésus-Christ. Parce que la Bible te dit, le Seigneur te dit, tu es mort, vous êtes mort. Est-ce qu'un mort peut encore parler? Est-ce qu'un mort peut travailler? Un mort ne peut pas respirer, il n'a pas de vie. Donc si tu es mort en réalité, la Bible, le Seigneur est en train de te faire savoir que tu es mort à l'égard du péché et tu ne dois plus pratiquer le mal. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit tu es déjà mort. Tu n'existes plus. Le bakar à partir d'aujourd'hui que chacun considère qu'il est mort. Tu dois te considérer que tu es mort enterré d'aller à l'égard du péché. Cela veut dire
que devant le péché, tu es pâle, tu es mort, tu es mort, tu ne sens rien. Devant le convoitise, tu es mort. Devant l'impulsité, tu es mort. Et cette convoitise vient le plus par les sens que nous avons, que Dieu nous a donné. Voilà, c'est bon, non? Voilà, pas le sens, c'est-à-dire le toucher, la vue, le parler, l'odorat, l'ouïe, etc. et etc. Madame, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu manges aussi peut te souiller. C'est pourquoi vous allez comprendre que tout ce qui amène l'homme à pécher en réalité n'est pas loin de lui. C'est en lui. Et c'est ce qui est en toi qui te pousse à pécher contre Dieu. Quand tu vois, tu as envie d'aller prendre. Alléluia. Et c'est ces choses qu'on appelle les membres de la terre. Les membres du corps. Que nous devons essentiellement et nécessairement tuer. Ces membres doivent mourir, ils ne doivent plus exister. Alléluia. Amen. Continue. Le verset 5. À cause de l'espérance. Vous êtes où? J'ai dit le verset 5, Colossiens 3, le verset, et après tout le verset 5. Faites donc mourir les membres. Voilà. Qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Quand on parle de l'impudicité, on parle de quoi? L'impudicité, c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre? C'est quoi l'impudicité? On va détailler les choses. Pour que vraiment vous puissiez comprendre. L'impudicité, c'est quoi? Oui. Voir quelque chose. C'est voir une chose et la désirer. L'impudicité, c'est voir une chose et la désirer. Ouais. C'est votre réponse. En acte ou en voyant. Okay. Ouais. C'est quel nom? Nicolas. Nicolas. Oui, maman. Alléluia. Oui. Mon nom, c'est Priscille. Et l'impudicité, moi, je vois quand que c'est une chose de saleté. Une chose de saleté. Oui. Une chose de saleté. Donc, si je renverse la boue ici, je suis en train de commettre l'impudicité. Non, avec pas nos corps, quoi. Pas notre corps, c'est ça? Pas notre corps. Okay, c'est ce qui n'est pas réel au Seigneur. Tu vois, ok, d'accord. C'est votre réponse aussi, oui, notre soeur. Oui. Voilà, quel est votre nom? Vous je m'appelle Henriette. Henriette, oui. C'est le désir des pensées, parce que ce sont les pensées qui poussent à l'homme à faire des choses vraiment qui... Donc l'impunicité, c'est les pensées impures, les pensées mauvaises. Voilà. Ok, d'accord, oui. Alors, moi, je dirais que... Le nom c'est Déborah. Déborah. Alors, je dirais que l'impudicité, c'est de commettre le péché sexuel. Le péché sexuel. Le péché sexuel. C'est la seule impudicité. Oui. Pour moi, l'impudicité, c'est tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur. Est-ce qu'il y a un micro là? Ok. Chacun a donné sa réponse. Oui. Il y a aussi une autre réponse. Oui. Le micro. Est-ce que c'est allumé? Allumé, s'il vous plaît. Je m'appelle Abelon. Rapprochez-vous. Je suis la sœur Québec. Oui. Donc, l'impudicité signifie avoir un manque de gêne sur ce qui a été interdit. Un manque de gêne. Ok. C'est-à-dire ne pas s'abstenir, c'est ça, de quelque voilà la désobéissance. Aucune barrière. Oui. En faisant le mal, le rien, voilà. Être à l'aise. Je comprends. Ok, d'accord.
Donc chacun a donné sa réponse. Les réponses sont un peu liées. L'impulsité touche beaucoup le corps. C'est-à-dire la souillure du corps. C'est aussi beaucoup lié au péché sexuel comme la soeur. La Bible a été claire là-dessus. Celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand nous lisons bien le livre de 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens 6, il est bien écrit que celui qui commet le péché de l'impudicité pêche contre son propre corps. Dans 1 Corinthiens 6, 15 à 19, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prenez les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Cela veut dire que si tu t'attaches à une prostituée, avec elle tu deviens une seule chair. Tu prends ses malédictions, tu prends tous ses péchés, tu prends ses maladies, tu prends ses esprits, ses démons, tu prends tout ce qui est là de mauvais. C'est un péché que Dieu déteste. Et Dieu veut que nous puissions abandonner ça si nous voulons réellement le rencontrer lorsqu'il reviendra. C'est un parmi vous se sont déjà répandus face à ce péché. Mais le Seigneur vous appelle encore à faire plus. Le péché ne vient pas d'un coup. Le péché commence quelque part. Quelqu'un a parlé de penser ce que nous pensons. Voilà, l'impudicité peut être aussi pensif. Ce que tu as pensé, ce que tu as résolu dans ton esprit peut t'arriver lorsque tu penses à chaque fois à ces choses. Un peu, l'ennemi va te pousser à l'appliquer, à le faire. Donc, quand ces pensées vont venir, il faut crier à Jésus de te libérer en même temps. Sinon, lorsque tu te laisses emporter par ces pensées, elles vont t'amener à commettre le péché de l'impudicité. Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Toi qui veux te préparer au retour de Jésus, fuis l'impudicité. Il dit, quelques autres péchés que l'on commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre lui-même. C'est vraiment grave. Il se livre à quoi? Il pêche contre Dieu, mais en réalité, d'abord, il se tue lui-même. Il se détruit d'abord lui-même. Il pêche contre lui-même. Il se met lui-même sous la malédiction. Et tant qu'il n'abandonne pas, il va rester toujours dans le péché. Et le péché va le détruire. Et finalement, toutes les bonnes œuvres, peut-être qu'il a eu à faire, ne seront pas signifiantes devant le Seigneur lorsqu'il sera là. Un péché seulement. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. C'est vraiment profond. D'abord, Dieu veut t'amener dans son temple au ciel. Il veut t'amener dans la cité céleste. Mais il fait de toi sur la terre son temple. Et parce que tu es son temple,
Et parce que le temple de Dieu doit être gardé dans la sainteté, il faut absolument que toi aussi, tu vives dans la sanctification. C'est très important. Parce que sans ça, tu ne peux pas arriver. Tu vas tout faire, tu vas vouloir, tu auras le désir, tu auras la volonté. Mais le péché qui est dans ton corps va te réclamer à la fin. Le péché est là. Et le péché te détruit. On va lire toujours Colossiens 3. Continuez-moi la lecture là où vous êtes. Lisez Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Mm-hmm. Vous étiez au niveau du verset 5. On a parlé de l'impudicité, de l'impureté. Voilà, l'impureté est aussi liée à l'impudicité. Ce qui est sale. Et ce n'est pas seulement le péché sexuel. Tout péché qui est lié au corps et qui est impur, qui est contre nature, est aussi mis dans le sens de l'impudicité. Celui qui s'adonne par exemple à la masturbation pêche contre son propre corps et il est en train de commettre un péché d'impudicité. Alors Dieu nous appelle à se débarrasser de toutes ces choses. Ce sont les convoitises charnelles qui font guerre à votre âme, qui veut vous empêcher, vous arrêter sur le chemin pour que vous ne puissiez plus continuer. Mais aujourd'hui, le Seigneur démasque ces choses pour vous libérer. Les passions aussi. Qui peut me définir une passion? La passion. Bon, je vais vous expliquer ça. Les passions sont dans la catégorie des choses qui nous attirent, des choses que nous optons faire et que nous voulons réellement faire, comme peut-être une activité appartenir être comme des influenceurs, ou ce que tu aimes le plus regarder et qui n'est pas de la volonté de Dieu, ou ce que tu aimes faire, ce que tu aimes peut-être boire ou manger et qui peut te détruire. Et tu t'attends tellement pour ne même pas abandonner. Ce que si on te retranche, tu vas mourir, c'est ça on appelle la passion. Il y a certains, leur passion c'est le feuilleton. Il y a certains, leur passion c'est les jeux vidéo. Ça dépend de chacun avec sa passion. Mais nous, notre passion c'est quoi? Jésus-Christ. Notre passion c'est quoi? Jésus-Christ. Ta passion c'est qui? Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Football, ni basketball, ouais, ni le dieu de son rôle, le fait son rôle, moi Jésus-Christ. Alléluia. Les mauvais désirs. Il y a les bons désirs et les mauvais désirs aussi. Ces désirs vont venir. Mais ce que tu dois faire, c'est de demander à Dieu de te donner la force de dominer ces désirs et de t'empêcher ces désirs, de t'amener à poser une action. Quand le désir vient, il t'amène à poser l'action. Tu dois tout faire pour ne pas poser l'action. Si jamais tu poses l'action, alors tu as accompli un mauvais désir. Les pensées mauvaises, les pensées impures. Tu reçois la pensée de voler. La pensée te dit, prends ça. D'abord, tu commences à admirer. Tu commences à vouloir ce que ton frère a, ou ce que ta soeur a, ce que ton prochain a. Cette pensée va te dire, il faut prendre, tu peux prendre, il ne saura pas. Et commence à faire naître le péché dans ton cœur. Il faut en même temps crier à Jésus.
Sinon, cette pensée va t'amener à commettre des péchés. Tu ne le sauras même pas. Quand vous voyez les voleurs, les grands voleurs, ils ont commencé quelque part. C'est parce qu'ils ont obéi, ils ont appris à obéir à leur pensée que finalement ils se trouvent en train de voler. Non, 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 ngir nga bañ ko jëfé ndax fofu lay tambali mo tax ngeen gis ñi bari ñi sacc non la cheikh sen xalaat lay tambali ñu baye xalaat bobu le sass ñom ñu jaaré fa mëna jëfé lool. Alléluia, la cupidité qui est une idolâtrie. Quand on parle de la cupidité, on est en train de parler de quoi? Bu ñi wax ci bëgg xaaliss ci la lañ wax, c'est l'amour démesuré de l'argent, de conquérir d'avoir plus de plus. C'est-à-dire avoir l'attachement démesuré pour l'argent, un attachement trop élevé pour l'argent. On ne veut jamais être satisfait. Dieu ne nous interdit pas d'avoir de l'argent. Dieu ne nous interdit pas d'être riche, non. La cupidité est au-delà même de la richesse. Quelqu'un peut être pauvre mais être cupide. Parce que il trouve l'argent comme son Dieu. Il trouve la vie quand il a l'argent. Si l'argent peut changer à chaque fois tes humeurs, il faut savoir que tu as une petite semence de cupidité qui est en train de naître en toi. Et tu dois demander au Seigneur de pouvoir enlever cette semence. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Il faut que chacun apprenne à vivre dans l'abondance et aussi dans la disette. Aujourd'hui, tu peux être riche, mais un événement peut survenir demain pour t'enlever la richesse. Et si tu étais cupide, comment tu vas faire? C'est là que le vol va intervenir. C'est là que tu vas user de tous les moyens pour avoir l'argent. C'est ça qu'on appelle un cupide. User de tout moyen possible, que ça soit bon ou mauvais, même tuer pour avoir de l'argent, c'est la cupidité. Le roi d'Arit, c'est bon, maintenant, et ce péché est aussi une idolâtrie parce que ça t'amène à considérer l'argent comme étant supérieur à Dieu, étant Dieu et à le vénérer ou à l'adorer. T'es bakar, vous voulez, d'ailleurs, le Dieu Khalid, t'es petit coyal. Et le Seigneur nous dit dans le verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Plusieurs parmi vous marchaient autrefois dans ces choses, n'est-ce pas? Tu marchais autrefois dans l'impunité, dans la masturbation, dans la fornication, dans le meurtre, dans la colère, dans l'orgueil. Il y a beaucoup même qui ne sont pas cités là. Tu marchais autrefois dans ces choses. Mais aujourd'hui, quelqu'un pour me dire ce qu'il a abandonné. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire la passion ou bien le péché qu'il aimait le plus et qu'il a abandonné aujourd'hui. C'est la soeur Yvette. Le micro. C'était la colère de l'autre. S'il te plaît, joue ton rôle. Soyez vigilant. C'est important. Hein, quoi? Ok, le micro, voilà. La colère. C'était la colère. Oui, la colère et l'orgueil. Et l'orgueil. Comment ça se manifestait? La colère et l'orgueil. J'étais quelqu'un. Mère agréée, nous vous donnons une chose. Nous donnons une chose. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, je m'énerve vite. Et là, je garde vraiment la rancune. La rancune. Et quand la colère t'anime, quelle est la première pensée qui vient? Parce que c'est une personne peut-être qui t'a mise en colère.
quelle est la première pensée qui vient quand tu observes la personne devant toi? Allô, fais du mal. Et tu veux, même si s'il faut que cette personne disparaisse même de la terre, il faut le faire. Si tu avais la possibilité de le faire pour que personne ne sache que tu allais le faire. Tu vois, c'est ça en réalité. C'est un mauvais désir et le Seigneur veut que nous abandonnions toutes ces choses. Quelqu'un d'autre? Oui. La sœur Judith, voilà. Judith. Oui. Oui. Ah, c'est le mensonge. Le mensonge. Wow. Mm-hmm. Comment ça se manifeste? En fait, je peux mentir sur mon propre nom même. Mm-hmm. Je mentais, par exemple, je m'appelle Judith. Aux hommes, c'est ça? Oui, c'est ça. Même pour se tirer de l'argent, oui. je mentais aussi. Mm-hmm. Ouais. Maintenant, le Seigneur t'a libéré. Oui, oui. Et il veut que tu ne retournes plus. C'est ce que le verset dit. Dans ces choses, vous marchiez autrefois. Mais il est important de vous rappeler ces choses pour que ces choses ne reviennent pas. Parce que ce que tu as fait dans le passé peut encore te rattraper. Et le péché, nous connaissons le pouvoir du péché. Le péché vient pour détruire. Et le péché, pour la chair, est comme quelque chose qui nourrit la chair, qui fait du bien à la chair. Mais en réalité, ça détruit ton âme et ça fait guerre à ton âme. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre? Voilà, ça. Depuis, les hommes ne parlent pas. Hein, les frères? Vous avez laissé la parole aux femmes aujourd'hui. Oui. Voilà moi, mon péché. Oui. C'était l'idolâtrie. L'idolâtrie. Vous avez un mari, vous qu'on appelait Bayes. Mm-hmm. Quand je veux dire, je remercie, c'est lui que je remercie. Mm-hmm. Je ne sais pas que ça se passe. Tout ce que j'avais, je dis que c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui incarne Dieu sur terre. Maintenant, le Seigneur t'a libéré de l'idolâtrie. Elle voyait un homme comme Dieu, comme son Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a libéré. Mm-hmm. Nous avons notre soeur Florida. Voilà, Florida. Voilà. Je m'appelle Florida. Mm-hmm. Moi, c'était la désobéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que j'étais insoumise à mon mari. Mm-hmm. Il me disait A, il fallait que je dise B jusqu'à Z. Mm-hmm. Il fallait le répondre. Mm-hmm. Mais quand le Seigneur m'a libéré, aujourd'hui, je me tais. Alléluia. Alléluia. Clame le Seigneur pour sa vie. Voilà, le Seigneur demande aussi la soumission aux femmes. Ces choses aussi font guerre à votre âme et vont t'empêcher pour être emporté lorsque le Seigneur va venir, pour être enlevé lorsque le Seigneur va venir. C'est des péchés qui ne sont peut-être pas écrits, mais qui sont dans les réalités et qu'elle vient de relever également, comme l'idolâtrie envers le marabout de notre soeur et aussi l'insoumission de la femme. Donc, par son témoignage, Dieu vous appelle tous à être soumise, mais à ne pas être soumise lorsqu'il y a le mensonge. Vous comprenez? Dieu est le chef de l'homme et l'homme le chef de la femme. Et si l'homme veut t'amener à désobéir à Dieu, il faut lui expliquer, mais avec un ton paisible. Alléluia. Qui encore? Voilà la soeur Karine. Voilà. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Ce que j'aimais le plus. Demandez la peau de moi. Mm-hmm. Oui, faut essayer. J'aimais me masturber. Parfois, pour moi, je n'avais pas besoin d'un homme. J'aimais me masturber. Mais un jour, j'ai prié le Seigneur m'a délivré dans ma chambre. Alléluia. Nous voyons que tout ce que nous avons cité ici se retrouve ici. On n'est pas nombreux. Est-ce qu'on est 50 ici? On n'atteint pas 50. Mais tout ce qui est cité se retrouve là. Ou bien c'était là auparavant. Cela montre que c'est les péchés qui dominent le monde. Et Dieu veut nous libérer, veut nous délivrer. C'est comme des fardeaux. Et c'est de ces choses le Seigneur parlait lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Si tu es réellement fatigué, tu dois venir. Mais si tu n'es pas fatigué, tu peux continuer quand même. Mais la finalité sera... L'enfer, voilà. Quelqu'un veut encore parler? Oui, nous avons les doigts. Hein. Alléluia. Je m'appelle Thérèse. Moi, j'avais la haine. La haine. Oui, quand mon projet du mal, je me pensais,
je priais même et je disais, Seigneur, que l'on lui pardonne. Oh, le Seigneur, lui, n'est pas comme toi, malheureusement. Le Seigneur n'a pas été comme toi. Alléluia. La haine est aussi liée à quoi? La colère, l'orgueil, etc. Quand il y a l'orgueil, il y a la colère. Et là où il y a la colère, la haine naît en même temps. Mais on bénit le Seigneur qui t'a délivré. Ou bien le Seigneur t'a libéré, n'est-ce pas? Ou bien tu veux encore retourner dans ça? Plus de retour. Hmm? Shalom, c'est la seconde ici. Oui. Moi, parce que j'étais dans le monde. Si tu rancunes, je ne parle jamais. Vous êtes rancunière. Rancunière, oui. Je ne parle jamais. Je vous fais des années et moi. Vous vous souvenez de ce que tu m'avais fait, même si c'est 5 ans. Man, je ne jamais. Dès que je te vois oublier, c'est toujours là que tu m'as fait. Et si la personne te demande pardon, par exemple? S'il me demande pardon, pardon difficilement. Difficilement. Et maintenant, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Même si je m'en ai. On bénit le Seigneur. Salut, Mazar, dans ma vie. Tu as libéré de cela. Acteur Réjaré. Oui. C'est moi, la sœur Marie. Moi, j'avais l'esprit de vengeance, l'esprit de haine. J'étais encore timide. Mais lorsque tu me fais quelque chose, je vais te battre, je vais rester avec ça. Je ne pardonne pas. Même si tu me demandes pardon, je pleure, mais je ne te pardonne pas. J'avais tellement la colère et l'orgueil. Je ne parlais pas à cause de la colère. Je restais comme ça là. Je ne parlais même pas. Quand je parle comme ça, je pleure. Même si tu te demandes qu'est-ce qu'il y a, je ne pouvais pas parler à cause de la colère. Je pleurais récemment. C'était comme ça. Mais Jésus-Christ m'a béni. Amen. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est un témoignage puissant. Vous voyez ce que la colère fait. Le péché est vraiment mauvais. Le péché te détruit, mais le diable te fait croire que le péché te fait du bien. C'est elle qui est en colère, mais c'est elle qui pleure. Pourquoi? Parce que la colère ronge le cœur. Le cœur à l'intérieur n'est pas fait pour se mettre en colère. Tu n'es pas fait pour te mettre en colère ou pour haïr. Parce que tu veux le faire, ton âme pleure. C'est ça en réalité. La mère Bobo Gamer et Barol Sisahol, Motaret Sayo de Kéti. Mais on bénit le Seigneur qui t'a libéré. L'église est composée de plusieurs télécoms que Jésus a délivrés, de plusieurs cas que Jésus a libérés. Et c'est ça qui fait l'église. Et nous devons tout faire pour ne plus retourner à ces choses, mais de voir autrement les choses et d'avancer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, mon problème, c'était les hommes, parce que quand je reste avec un homme et il me fait quelque chose qui me fait mal, je le quitte et je vais aller avec un autre. C'était ça mon problème. Voilà, mais depuis lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai abandonné toutes ces choses et le Seigneur aussi m'a délivré. Alléluia. Et je le délivre. Alléluia, alléluia, alléluia. On bénit le Seigneur Jésus pour la vie. Ok. Allez-y. Bon, la dernière intervention. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut encore intervenir? On la prend et voilà, on va continuer. Les frères n'ont pas parlé jusqu'à maintenant. Ou bien vous cachez encore ça? Ok. Parce que quand on ne parle pas, on cache. On gère un peu jusqu'à. Voilà, c'est ça. Mais je sais que Dieu vous a aussi délivré de quelque chose. Allez-y. Shalom. Shalom à vous. La sœur Marie Lopez. Noël. Marie-Noël. Approchez un peu le micro, s'il vous plaît. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai pardonné une personne dans ma vie que je n'ai jamais pensé une fois pardonner. Amen. Parce qu'il m'a fait du mal. Et depuis que j'ai connu le Seigneur, je l'ai trouvé assise. Je l'ai dit. Je lui ai parlé de son nom, je lui ai dit, comment tu vas? Elle était même étonnée. Elle me regardait. Elle était même étonnée. Je lui ai dit, c'est à cause de Jésus. Amen. Mais sans Jésus, je n'allais pas le faire. Parce qu'elle m'a fait du mal. Alléluia. Le Seigneur veut que tu gardes ce même cœur jusqu'à son retour. Les péchés dans lesquels Dieu vous a libéré, il faut tout faire pour ne plus reculer. Parce que le diable vous attend au carrefour. Quand tu retournes, il va te mettre en prison, il va fermer la prison
et il va mettre un seau pour que tu ne sortes plus jamais. Non, moi, dès lors, tu vas faire un peu. Cette année, dès lors, tu vas faire un peu. Ok, allez-y. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, shalom. Mon frère Adrien. Donc, moi, j'aimais jouer au football et aux jeux vidéo. Moi, j'ai joué au football et aux jeux vidéo. Donc, quand j'ai découvert le témoignage, c'est là que. Bon, moi, cette année, témoignage. J'ai abandonné carrément le football. Mais aussi, j'aimais aussi me masturber regarder les vidéos pour nous. Je me suis délivré. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je ne vais pas les prévoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'on confesse ce qui est honteux. Ce qui se fait dans le secret est dévoilé publiquement. Le diable est en colère. Et cela montre que Jésus est en train de vous préparer réellement pour sa venue. Et vous devez tout faire pour ne plus retourner à ces choses. Mais faire quoi maintenant? Quelqu'un peut me dire ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous qui avez été délivré par Jésus d'un péché, qu'est-ce qui doit être fait? Je ne vous entends pas. Ah ok, d'accord. On doit faire quoi? Non, vous avez déjà fui. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez abandonné. Qu'est-ce que vous devez faire? De ne plus y retourner. Tu as déjà abandonné. Tu as déjà fui. Mais la possibilité que tu retournes est là. En réalité, quand Dieu vous pardonne, quand Dieu vous délivre, c'est que la distance que vous séparez du péché n'est pas grande. Le péché se trouve encore à votre porte, au milieu. Et vous tâtonne encore, il vous frappe. Il vous frappe. Tout le temps, tout le temps. Celui qui dit qu'il avait la colère. Et même quand Jésus l'a délivré, tu vas sentir que le diable va encore envoyer des gens. Tu vas voir que le diable va envoyer des gens pour susciter encore la colère en toi. Et lorsque les gens le font, cette même colère qui était là et dont tu as été délivré va commencer encore à renaître. Et si tu ne sais pas faire, tu vas te retrouver encore dans la colère et être colérique. Donc c'est à toi de travailler dur, pour que cette nouvelle vie soit comme une habitude pour toi. Pour que le péché ne soit plus dans tes habitudes. Parce que certains ont pris le péché comme habitude, au point qu'ils ne peuvent plus être délivrés. Mais quand Dieu te délivre, il faut prendre la nouvelle vie en Christ comme une habitude. Et lorsque le péché va te réclamer, le péché ne trouvera plus de place à entrer dans ta vie. C'est important. Khamali bobule bakkar dula sori te bos bu nek bakkar bobu dilo waye ci sa bop yow ya dara xex lolou ne ci sa dole yop voilà il dit mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le mot d'arrêt de monnaie sori le bakkar yo yep. Ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous êtes déjà dépouillés de toutes ces œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu te renouvelles la connaissance. La connaissance de Dieu. Parce que tu as revêtu l'homme nouveau. Vous devez laisser l'homme nouveau grandir en vous. L'homme nouveau doit grandir en vous. Pour éteindre le vieil homme. Pour que le vieil homme meurt réellement. Alléluia. Ce passage, vous pouvez méditer le reste à la maison. Maintenant, face à toutes ces choses, à ces péchés et à ces promesses de Dieu, moi je considère que vous ne savez rien de toutes ces choses et que vous n'avez jamais été délivré. Parce que le but de mon enseignement, c'est de toucher tout le monde. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas encore été totalement délivré. Dieu est en train de travailler pour qu'il soit libéré. Qu'est-ce qui doit être fait face à toutes ces choses? Il faut la confession de ses péchés. Vous pouvez noter ça. Tu dois confesser le mal. Vous devez savoir que la confession est un acte important
qui permet aux chrétiens d'exposer sa vie d'iniquité, qui regardait dans les liens de la malédiction et dans les liens du diable. Dans la ramie feigne c'est bacar ou à quoi lol de la identité bon diamou satan. Quand tu ne confesses pas le péché, tu te fais ami de Satan. C'est bacar beaucoup de bé te voir au corps. Il travaille dans le secret, il travaille dans les ténèbres. Et tu veux délivrer, mais tu ne confesses pas le péché. Pourquoi? Qui peut me dire ça? Qui sait l'impact réel de la confession? Ce que la confession fait, qui connaît en réalité? La confession libère. Oui, la confession fait quoi? Ça décharge de poids. Oui. Et la confession, ça expose les yeux de l'ennemi. Ça expose les yeux de l'ennemi. La confession fait quoi encore? Ça brise les liens que tu as avec Satan. Quand tu confesses, tu dis à Satan, mon ami, on n'est plus amis. On n'est plus amis. Loin. Mais quand tu dis non, j'ai honte, j'ai peur, Satan rit, dit oui, voilà, nous sommes amis, nous sommes amis. Quand tu vas parler, ils vont te frapper, ils vont t'insulter, ils vont dire que tu es mauvais, ils vont savoir que tu fais toutes ces choses. Il ne faut jamais dire. Et quand tu ne dis pas, on sera amis. Et quand tu seras ami avec Satan, la colère de Dieu va descendre sur toi. Oui, non, vous savez, Bakar, Satan est dans le Jégesi, il est dans le Wauke. Yo, il y a un samakari. Donc, les péchés que vous confessez n'ont plus de pouvoir ni d'impact négatif sur votre vie. Si tu ne confesses pas le péché, dans la marche, tu ne peux plus continuer. Tu as un soldat mourant. Et il ne reste que que de tomber, il ne te reste que de tomber. Tu es mourant, mais tu fais comme si tu es vivant. Il y a plusieurs comme ça. Ils sont en train de et leur âme crie. Seigneur, secoue-moi. Leur âme crie réellement. Mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas confesser. Parce qu'ils ont peur. Ils ont la honte de la terre. Ils sont en train de saigner à cause du péché. Regardez notre soeur qui pleure, qui a dit que la colère lui fait pleurer. C'est déjà cet aspect du péché qui te ronge et qui te met en alliance avec le diable. Cela montre que ton âme en réalité veut être libérée, mais toi-même tu ne veux pas. Tu ne veux pas réellement appliquer les conditions qui vont t'amener à la délivrance. Alléluia. Amen. Et quand tu confesses le péché, tu deviens totalement libre parce que tu as dévoilé le mal et tu as dévoilé ce qui est caché. Ce qui est caché est honteux. Et lorsque tu confesses ce qui est caché, de l'accusation, de la culpabilité. Alléluia. La culpabilité et l'accusation en réalité viennent quand nous commettons le péché et nous ne confessons pas et nous ne voulons pas réellement changer. Ta conscience même qui est en toi, que Dieu t'a donné, c'est cette conscience qui commence à te juger et qui commence à te corriger. C'est en toi la culpabilité. Cette conscience étant Dieu en toi te condamne et te juge en même temps à cause du mal que tu as commis. Donc, pour être libéré aussitôt,
Il faut dévoiler le mal pour que la conscience se libère. La plus grande délivrance du péché, ce n'est pas démon sort, ce n'est pas fufu. La plus grande délivrance du péché, c'est lorsque le pécheur reconnaît sa faute et confesse son péché. Lui se libère de le fardeau. Le grand doit être pour les gens qui sont en train de se faire. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 5:12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bible dit dans Ephésiens 5:12, nous de le dire. Mais nous, nous le dévoilons. Pour sortir de la honte. Dans Proverbe 8:13, il est écrit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. C'est le livre Proverbe 28:13, Nena, qui est pour que nous nous cachons. C'est comme tu as le poison. Et tu caches le poison. Tu as la bombe et tu caches la bombe. Finalement, la bombe, c'est toi, la bombe va tuer. Tu me dis oui, bombe, bombe, il y a aussi beaucoup de choses. Tu as bu le poison. Au lieu de le déclarer pour qu'on puisse t'aider, en plus te sauver, en plus te délivrer, en plus guérir le mal, tu te tais, tu te tais, tu te tais. Non, mais ça va inspirer. C'est ce que le péché crée dans la vie de chaque pécheur. Donc il faut la confession, c'est très important. La Bible dit dans Proverbe 28:14, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur est dans le tombe dans le malheur. Bible dit dans Proverbe 28:14. Tant que nous portons en nous ces péchés sans les dévoiler, comme je viens de le dire, ils nous empêchent de continuer la marche pour le ciel. Et aussi nous empêcheront de partir lorsque la gloire de Dieu apparaîtra. Mon petit bon pambou fait nouer. Alléluia. Amen. Après la confession, il y a ce qu'on appelle la repentance. Bon, quand c'est votre fait, c'est bacard. Le titre pour moi, c'est là que nous allons faire une grande différence que plusieurs n'arrivent pas à cerner. Tu l'as le lundi de Ragné Boumagamak, Ninga Kamal. Plusieurs n'arrivent pas à faire la différence entre confession et réponse. Amenoubari Ragné Ounou. Et plusieurs ne comprennent pas en réalité ce qui veut dire repentance. La repentance en réalité est le fait d'avouer un péché et de l'abandonner en même temps. Tout c'est bakar, moi fais un bakar il va parler. Après n'importe quoi tu délois. Tu confesses le péché, mais prêt à l'abandonner et tu prends la décision de ne plus le faire. Mais si tu t'arrêtes seulement à avouer le péché, là tu t'es confessé, mais tu n'as pas abandonné. Ce qui veut dire que tu ne t'es pas réellement répandu. Et nous devons savoir que la repentance ici doit être continuelle. Ça doit être un exercice de tous les jours. Parce qu'il peut arriver que dans la marche, tu tombes. Tu commets des erreurs de péché. Et tu dois demander pardon au Seigneur, mais surtout les abandonner. Et la repentance est aussi le renoncement. Tout ces bacar t'aimait, tu renonces à ceci. Je renonce à ceci. L'abandon est le plus important. Et c'est ceux qui abandonnent et qui cessent de commettre le mal que tu cherches. C'est ceux-là que tu aimes. Alléluia. Amen.
Et c'est de ça que le Seigneur parle dans Ésaïe 1:15. Lorsqu'il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Les mains sont pleines de sang. Celui qui commet le mal, qui commet le péché et qui refuse de se repentir devant Dieu, il a la main pleine de sang. C'est comme si sa main est remplie du sang. Et à cause de cela, il doit se repentir. Et le Seigneur nous appelle tous à comprendre cela. Parfois, certaines personnes pensent que la repentance est seulement faite pour les païens ou pour ceux qui se convertissent nouvellement. La repentance doit être continuelle pour toute la vie. Nous avons vu David qui a péché contre Dieu. Malgré que Dieu l'a choisi. Et que Dieu a témoigné qu'il est l'homme selon son cœur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a appris réellement qu'il a mal fait, il a mal agi, il s'est agenouillé et il a imploré la grâce de Dieu et s'est repenti. C'est ce que chacun doit savoir. Parfois, Satan va mettre dans ta tête que tu n'as pas besoin de repentance et que si tu commets le péché, Dieu ne va plus te pardonner. Dieu n'a plus besoin de toi. Voilà, Dieu te jette en enfer parce que c'est fini, tu l'as outragé et c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Dieu tend toujours la main au pécheur. Quel que soit le niveau ou le degré que le péché a atteint dans ta vie, il te suffit juste de revenir à lui et de ne plus jamais retourner à ce péché. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. L'abandon total. Alléluia. Amen. Et lorsque tu abandonnes le péché que tu as confessé, par la repentance, maintenant Dieu t'appelle à la sanctification. Je suis en train d'énumérer déjà les conditions. Qui c'est ça? Les conditions. Alléluia. Alléluia. Lorsque les péchés sont confessés et effacés, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant poursuivre votre vie chrétienne dans la recherche de la volonté parfaite de Dieu pour vous. Et dans cette recherche de la volonté de Dieu, il est nécessaire pour vous de vous sanctifier. Et de mener une vie séparée des souillures et des impuretés du monde que vous aviez pratiqué. La volupté est liée au péché sexuel. La luxure, la nervosité, la convoitise, la nervosité, c'est agir de manière agressive, de manière brutale, de façon méchante. L'envie, le meurtre, le vol, le mensonge, la trahison, la haine, l'impudicité, la masturbation, la fornication. Le jézabélisme. L'insoumission de la femme comme le jézabélisme. Il faut se sanctifier dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand nous parlons de la sanctification, nous entendons quoi? Sanctifier. Sanctifier. Et la sanctification nous appelle à nous séparer des souillures. C'est la séparation avec
les souillures de la terre, les souillures du monde, les souillures de la chair. C'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, dans 2 Corinthiens 6, 17, afin que vous ne participez point à leur péché. Vous devez fuir, vous devez sortir, vous devez courir. Pour ne pas participer au péché du monde. Alléluia. Amen. Dans Lévitique 11, 45, il dit, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et que vous soyez saints. Car je suis saint. Qui livre Lévitique 11, 46, l'homme monele, man mare gene, qui de kiaouye. Qui donc Égypte, Nirmadon Seigneur. Le Seigneur veut que chacun de nous soit saint comme il est lui-même saint. C'était vont te dire non, tu n'as pas besoin d'être saint comme Dieu. Non. Dieu lui est saint de nature. Toi tu es pécheur de nature. Alors tu ne peux jamais atteindre la perfection. Parce que Dieu il est saint et toi tu es pécheur. Ça, c'est les ruses du diable. Pour te faire croire que tu ne peux pas arriver à la perfection. Or, la Bible nous enseigne que nous pouvons arriver à la perfection. Et que c'est ce que Dieu recherche pour chacun de nous. Nous pouvons arriver à la perfection. Nous pouvons être réellement saints comme Dieu est saint. C'est le qui n'allait jamais dire, soyez saints comme je suis saint. Alléluia. Amen. Dans le verset 2, l'épître de Romains 12, le verset 2, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot c'est bon, tu livres Romains 8, le verset 12. Vous l'avez donc ni à tout dit de ne pas. Cela vous a dit, séparez-vous. Ne faites pas. Ne marchez pas comme. Entre vous et le monde, il y a une très grande différence. Entre les femmes du monde s'habillent comme elles veulent. Elles se maquillent. Elles mettent leurs hauts talons pour séduire les hommes avec les mini-jupes, avec les collants, avec tous les accessoires de Jézabel. Les accessoires de séduction. En allant de salon de beauté en salon de beauté. Pour séduire. Mais le Seigneur te dit, toi, femme chrétienne, ne te conforme pas à ces pratiques. Aujourd'hui, la jeunesse est tournée vers la cybercriminalité. Vers la dépravation des meurs. Ils sont là juste à voler. Par la corruption. Et par l'internet. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire jeune? Ouais, t'es yo, langue de Seigneur te demande de ne pas te conformer à ces choses. Tu vas dire non, je viens de quelque part. Je viens d'en haut. Et je sais où je vais. Parce que ma cité n'est pas de cette terre. Ma cité est dans les cieux. Donc la volonté de Dieu que nous devons connaître ici. Dans Romains 12, 2. Sur le livre Romains 8, le verset. Cette volonté est la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit ceci. Livre 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est
Dieu veut, c'est votre sanctification. Quand vous parlez de la volonté de Dieu en réalité, pour vous-même, c'est d'abord la sanctification. La sanctification par la parole également. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu respectes les commandements du Seigneur, elle te sanctifie. C'est pourquoi Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Le mot de Jésus-Christ dans la Bible, c'est la lettre. Cet enseignement que vous recevez actuellement est en train de vous sanctifier. Et ceux qui vont l'accepter réellement et vont mettre en pratique les choses qui sont dites aujourd'hui, ils seront continuellement sanctifiés par cela. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu entends une mauvaise parole, cette parole va t'influencer négativement. Mais lorsque tu entends la parole de Dieu, elle va contribuer à ce que ta sanctification soit parfaite. Et le rôle de la sanctification, c'est quoi? Elle nous rapproche davantage de Dieu. Elle nous sépare totalement du monde. La sanctification nous sépare des choses du monde et nous rapproche de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, tu dois faire le bilan de ta vie. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner encore? Qu'est-ce que je dois cesser de faire encore? Qu'est-ce que je fais et qui ne glorifie pas ton nom? Est-ce que tu marches réellement de ta volonté? Est-ce que je me sanctifie réellement? Au cours de notre marche, il est important de s'arrêter un peu et de se poser ce genre de questions. Et ces questions vont nous amener à encore redoubler d'efforts, à travailler encore davantage pour ne pas être surpris lors de son avènement. Et chacun doit savoir que la sanctification est une œuvre de Dieu, que Dieu lui-même nous a ordonné d'accomplir. Mais nous avons aussi notre part dans la sanctification. Dieu nous sanctifie, c'est vrai. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité dans la sanctification. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas Dieu qui viendra les enlever. Mais certaines relations, ce n'est pas Dieu qui viendra et qui va te prendre et te détacher. C'est toi-même qui vas te séparer. Cela va impliquer ta responsabilité, ton sens de raison, ton libre choix, ta responsabilité. Dieu saura qu'il a fait parce qu'il sait que c'est mauvais. Il ne l'a pas fait parce que j'ai dit, mais il a fait parce qu'il sait que c'est mauvais. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, 17, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est aussi la liberté. Le mot de faut cette liberté n'est pas la liberté du péché. Non. Mais cette liberté, c'est parce que nous sommes libres de ne plus pécher. Nous sommes libres de ne plus faire comme nous faisions. Nous sommes libres de ne plus aller vers les choses du monde. Nous avons cette liberté qui est un pouvoir en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et chacun doit aussi demander au Seigneur de circoncis son cœur. Nir mumana so
dans le processus de sanctification. Nous parlons de la circoncision du cœur. Tant que ton cœur n'est pas circoncis, tu vas toujours continuer à développer les mauvais désirs et à les mettre en application. Sagam, Yala, vous sortez ce rôle. Vous connaissez même pas car avec son antiboïde. Le Seigneur dans Ézéchiel 36 dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et l'esprit de vieil homme que vous avez. Et je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. Chacun doit demander ses circoncisions. Et c'est ce que le Saint-Esprit fera à chacun de vous si vous prenez la décision réellement de vous repentir et de marcher dans la sanctification. Le mot dans ce livre d'Ézéchiel, il y a l'année, il y a l'année de l'école pour baisse, il y a l'année de l'école pour baisse. Le mot dans ce livre d'Ézéchiel, il y a l'année de l'école pour baisse, à l'école pour baisse, il y a l'année de l'école pour baisse. C'est très important parce que du cœur vient toute chose. Du cœur vient les sources de la vie. Et du cœur aussi vient les mauvaises pensées. Les adultères, les meurtres. Le cœur seul amène ces choses. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur. De veiller sur notre cœur. Le cœur qui est le cœur, le montant de la vie, nous ne sommes pas sur le cœur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur lui-même a fait la promesse à tous ceux-là qui vont prendre la décision de marcher dans la sanctification. Il a fait la promesse de circoncis le cœur. Si tu n'as pas la volonté, Dieu ne va rien faire pour toi. Si tu ne veux pas te sanctifier, Dieu non plus ne t'aidera pas dans la sanctification. Donc Dieu aussi est prêt à te pousser dans ta sanctification, à t'aider dans ta sanctification, mais toi aussi, tu dois avoir une part de responsabilité et tu dois d'abord prendre la décision de le faire, parce que ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et de même que Dieu avait circoncis Abraham, c'était la circoncision de la chair. Mais aujourd'hui, nous, c'est une circoncision de l'esprit et du cœur. Ce n'est plus la circoncision qu'on peut voir comme ça, mais c'est une circoncision que Dieu lui-même opère. De même que Dieu a circoncis Abraham, notre père dans la foi, il aussi va nous circoncis. Nous y allons charafale, Abraham, nous y allons terminer charafale. Oui, nous sommes comme nous avec Abraham. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2:11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, de la circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Le mot y a le livre Colossiens 2:11, il y a la kharafal la zerhol, il y a la kharafal la zerhol, beaucoup la kharafal vous avez Abraham. La circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Jésus-Christ, c'est la chair, qui est le problème. Et lorsque la chair sera totalement dépouillée, alors l'esprit va prendre place. On parle de la chair, l'homme animal. L'homme composé uniquement du corps et de l'âme, c'est-à-dire comme les animaux. Il ne connaît pas les choses de Dieu, il est charnel, il marche selon sa chair, il marche selon ses propres pensées. Alléluia. Amen. Nous avons reçu ainsi une circoncision plus excellente et plus parfaite que celle reçue par ceux de la loi. Quand je parle de la loi, je parle de ceux qui ont été avant nous et même avant la loi comme Abraham et aussi ceux qui ont été dans la loi parce que c'était une circoncision charnelle. On circoncisait les nouveau-nés à leur huitième jour, mais aujourd'hui, c'est une circoncision de l'esprit. Quand
Quand nous recevons par la foi, selon le Saint-Esprit, nous recevons par la foi le Saint-Esprit en nous qui nous certifie que nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu seras enfant de Dieu, qui peut faire habiter en toi son esprit? Il peut faire de toi fils de Dieu. Dans Romains 8, 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont des fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Qui veut être fils de Dieu ici? Que celui qui veut être fils de Dieu acclame encore une fois le Seigneur Jésus. Alléluia. Le but du Seigneur, c'est le fait de chacun fils et fille de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu es héritier. Combien? Tu es de la maison. Pourquoi Jésus lui-même a donné l'exemple? Il est l'image de ce que nous devons être. Il a été fils de Dieu pour nous permettre également d'entrer dans la maison. Jésus-Christ, étant l'héritier, il fait de nous, ses frères, des co-héritiers avec lui. Qui sait que nous sommes des frères du Seigneur Jésus? Qui sait ça? Nous sommes des frères, des amis du Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi nous héritons aussi avec lui. Qui est le premier né de toute la création de Dieu. Jésus-Christ, et pour hériter avec lui, il faut aussi souffrir avec lui. Comme Jésus-Christ, il a été crucifié et Dieu a humilié sa chair à la croix. Et il a crucifié la chair. C'est une image pour nous montrer qu'aujourd'hui, nous aussi, nous devons crucifier quoi? La chair et ses yeux et ses passions pour laisser l'Esprit vivre en nous. Jésus-Christ, David, nous ne le dirons pas dans ce qu'on a. Alléluia. Philippiens 3, le verset 3. Philippiens 3, le verset 3. Philippiens chapitre 3. Oui. Au verset 3. Oui. Je lis au nom de Jésus. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous sommes les circoncis. Est-ce que tu veux compter parmi les circoncis? Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut travailler à cela. Alléluia. Il est question ici d'une circoncision que la main n'a pas faite, comme l'apôtre Paul l'a dit. Elle s'opère spirituellement par Dieu. Dans le but de nous renouveler. Dans le but de nous transformer totalement. Et ceux qui reçoivent cette transformation de sa part ne s'affectionnent plus à la chair. Puisqu'ils reçoivent la crucifixion de la chair et de ses passions. Et tous les croyants, vous tous qui êtes devant moi ce matin, vous devez savoir que si vous estimez vivre et servir le Seigneur dans sa crainte, en esprit, vous devez aussi passer par cette étape pour laisser Dieu lui-même. Yannick n'est que
pour laisser Dieu lui-même faire son travail dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux que vous me lisez le livre de 2 Corinthiens 7, verset 1. Oui, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7, verset 1. Donc, Corinthiens au chapitre 7, à partir du verset 1. C'est comme une œuvre où chacun a son rôle. Dieu a son rôle, nous aussi nous avons notre rôle. Dieu veut faire pour lui, nous aussi nous devons faire pour nous. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu nous sanctifie. C'est Dieu qui nous sanctifie par sa parole. La parole de Dieu étant l'épée, nous sanctifie en nous circoncisant. Et nous aussi, nous devons faire. Lisez 2 Corinthiens 7, 1. Oui. Ayant donc de telles promesses, oui. Bien-aimés, purifiez-vous, oui. De toute souillure de la chair, oui. Et de l'esprit, oui. En achevant notre sanctification, oui. Dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. En achevant quoi? Notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est totalement vrai. Pour que notre sanctification soit achevée, il faut que nous le fassions dans la crainte de Dieu. C'est absolu. C'est une décision et c'est nécessaire. C'est une obligation qui s'impose. Parce que personne n'a même besoin de te dire, mon frère, sanctifie-toi, ma soeur, sanctifie-toi. Parce que ça s'impose à toi. Si tu as pris la décision au départ de marcher avec le Seigneur Jésus, cette sanctification s'impose à toi directement. C'est forcé. Personne ne te force, mais c'est comme ça. Lolo moy lu munta ñak kër mëno la wax ni da nga nara dox ci sen lay way lolo ci bopom da ci nara dox et ce travail doit venir de toi même té ligay bobu lé dafa nara yow ci yow la travailler tu dois travailler. C'est comme nous sommes dans une course, tu dois courir, même si tu tombes, Dieu va te relever. Da nga nara ligay dafa melni ci course rek. La mentalité pour arriver jusqu'au bout. Les faibles, quand ils tombent, ils vont dire non, je suis déjà tombé, voilà, c'est fini pour moi, je ne peux plus me relever. On m'a dit qu'on ne doit pas tomber. Et comme moi je suis tombé, je reste là. Est-ce que tu peux arriver? Tu ne peux pas. Lorsque tu tombes et que tu restes, tu recules en arrière. Oh, Dieu ne veut pas ça pour toi. Donc cela veut dire que même si dans la course tu tombes, tu dois forcément te relever si tu veux atteindre la destination et le but. Qu'importe la durée que cela fera, la durée que cela prendra, le temps que cela prendra, le but c'est que tu arrives jusqu'au bout. Quel que soit le temps que cela, le nombre de temps que cela va prendre, il faut que tu arrives. Certains chrétiens font et ils perdent la foi, ils se laissent prendre par l'apostasie et ils abandonnent tout. Parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à abandonner un tel péché, finalement ils disent à quoi sert-il de continuer? Je retourne dans le monde, je retourne à mon habitude, à mon ancienne habitude, à mon ancien péché, et c'est fini, et le diable les attrape. Et ils deviennent pire qu'avant. Non, les chrétiens, il y a un chrétien de Dieu, bien existé célibataire, Fakasalou, Oléanidjok, Nyobaegou, non, les fédèles, Bassaitan et Gaparle, Tebouboba, Lunyomelon, Moïraou, Lunyomelon. Alléluia. Amen. Chacun doit aussi savoir ceci. Il peut y arriver que je tombe.
mais je ne dois pas tomber. Mais il peut arriver que je tombe. C'est ceux qui ne se préparent pas et qui se disent que je ne dois pas tomber, que on ne peut pas tomber. C'est quand ils tombent que l'ennemi les ramène en arrière. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut encore les relever. Je ne dois pas tomber. Mais s'il arrive que je tombe, je dois me relever. La confession, la repentance et la sanctification interviennent. Philippiens 2:12 nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le mot à cadre guinée, comme nous avons commencé à dire, comme avec crainte et tremblement, c'est-à-dire, c'est le salut est précieux. On travaille au salut. Quelqu'un va te dire, non, tu n'as pas besoin de travailler à ton salut. Tu l'as pour toujours. Dieu t'a donné le salut gratuitement. Tu es sauvé, quel que soit tes péchés. Même si tu pèches, Dieu t'a déjà sauvé. Il t'a prédit, même il t'a prédestiné dès la fondation du monde que toi, tu seras sauvé. Ça, c'est un faux enseignement. Il faut faire attention. Le mot arrive. Vous avez dit que tu as le ciel là, il est donc, on a déjà pu n'y arriver. On a voulu arriver. L'enseignement de la légèreté. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de t'efforcer. Non, Christ a déjà tout fait. Christ a tout payé à la croix. Il a tout fait pour que tu sois sauvé. Le ciel est déjà garanti. Il faut juste l'accepter. Mon frère, si tu t'amuses dans ça, tu meurs, tu vas en enfer. Aïe, jangale, yinga, commentaire, de ouais, fol miri, girnale, et mon bon bi Jésus-Christ, demne le bopare, mon adem adjana, mangle go yegel. Tu, boko, ouais, folle, mon gase, n'yak sa adjana, dem sa fer. Si tu t'amuses avec ce raisonnement, soufait que y'a 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 quand tu vas mourir, tu pars en même temps en enfer. Soufait que y'a y'a folle. Les gens ne comprennent pas, c'est tellement si simple, très simple. Le travail c'est à nous, mais Dieu nous a donné le champ et nous devons travailler ce champ, n'est-ce pas? Dieu t'a donné un esprit pur lorsque tu as reçu Jésus. Il t'a donné un nouveau esprit, un cœur nouveau. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler pour que la suie n'entre plus dans ce cœur, n'est-ce pas? Maintenant, si tu dis non, parce qu'il m'a donné un cœur nouveau, je ne fais plus rien, et voilà, je vais au ciel, tu vas te retrouver en enfer. Le mot de rite, yo minga hamantene, amne khelou yalla yalla, domna la khol boubès, narota horegne yalla, djegel nama, djele le nama, legi narota ma def dara, wa yo se se bop dangana la khèf, ngir bakar banya djelu si wat si yo, nori nga mune dem adjana, wa yo soga de foul, manga de nyak sourou. C'est comme un champ et on t'a donné le champ en héritage. Est-ce que c'est le propriétaire ou celui qui t'a donné le champ en héritage, c'est lui qui viendra cultiver le champ pour toi? Demeni yonga don ben tol. Soyons sages. Dieu t'a donné le salut. Mais il ne t'a pas garanti totalement le salut. Même si tu fais du désordre, même si tu fais du salut ce que tu veux. Non. Le salut de Dieu doit être gardé avec crainte et tremblement. Et doit être entretenu. Yale mouchan la langirgam de l'Udia. Ouai, libre de l'eau. L'eau dans qu'on a rassemblé. Si tu n'entretiens pas le salut, finalement tu vas la perdre. Tu vas le perdre plutôt. Soufait que tu ne peux nous dire que l'on a la gueule. Moutel qui nous la gueule. Soufait que l'on a la gueule. C'est comme un fils à qui le père lui a donné une voiture. Demeni, donc, bien comme un dernier voyageur dans ta gueule. Le père va payer une nouvelle voiture. Est-ce que c'est le père qui viendra lui mettre du carburant dans la voiture? Est-ce que Bayern Bicadjanel Auto va donner un moment qu'on a de l'essence? Ceux qui raisonnent de cette façon, ils sont sans intelligence. Ni Khalate Nano, ni Onya Aounyo. C'est ceux dont le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence. Ils sont obscurcis dans leur pensée. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent ni Dieu, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne savent rien. Ils croient connaître Dieu, mais en réalité, ils sont fous. Ni Khalate Nano, moi, ni Khalate Nano.
Et vous devez fuir de telles personnes. Dans cette marche pour le ciel, il faut fuir toute personne qui viendra t'enlever du chemin, qui viendra souiller ta pensée, souiller ton esprit pour te dire que non, tu es en train de travailler en vain et que Christ a déjà tout fait. Alors il faut cesser de travailler et il faut vivre ta vie comme tu veux. Il faut fuir cette personne, il faut fuir cette doctrine, il faut rejeter cette doctrine. Et si tu l'as déjà bu, il faut vomir. Bon, disait, La doctrine de l'hypergrâce. Voilà, on ne perd pas le salut, on ne peut pas perdre le salut. Le salut peut se perdre, mais le salut ne doit pas se perdre. C'est ce que nous devons connaître. Dieu ne te donne pas le salut pour que tu perdes le salut. Mais il peut arriver que ton comportement va te faire perdre le salut. Ou ton manque de vigilance va te faire perdre le salut. Parce que le salut, c'est comme de l'œuf que Dieu a mis entre tes mains. Et si tu ne le gardes pas, si tu ne l'entretiens pas, et que ça tombe, ça va casser. Et c'est, ça sera difficile de le reconstituer encore et de le reprendre. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul même, il a dit, lisez-moi 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade... Il a comparé le salut, il a comparé la vie éternelle, la course, la marche chrétienne à la course des athlètes, des footballeurs et de ceux qui font plusieurs compétitions pour gagner dans le monde. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Est-ce qu'il a dit? Non, parce que les autres courent, toi il faut t'asseoir, tu as déjà remporté d'avance. On sait qu'on a déjà remporté d'avance, mais il faut courir. Si tu ne cours pas, tu vas rester au même point du départ. Et les autres vont partir, ils vont revenir, tu vas rester là, ils vont repartir, ils vont revenir, toi tu seras là. Tu seras comme un racoleur qui envoie les gens au ciel, tu vas prêcher l'évangile, mais quand tu reviens à la maison, tu commets les mêmes choses que tu reproches aux autres. Ça montre que tu fais comme ça, et tu fais comme ça. Jésus, tu reviens encore en arrière, parce que je suis libre, j'ai la liberté. Dieu est libre, Dieu est liberté. Cette liberté, c'est la liberté qui te permet, qui te donne la force de ne plus pécher. C'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas la liberté qui te donne le pouvoir de pécher, non. C'est la liberté qui te permet, qui te t'assure et t'affranchit, voilà. Et qui ne te permet plus d'aller vers le péché. C'est ça. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Voilà. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Eux, ils combattent, ils s'imposent de l'abstinence. Toi aussi, tu combats, tu dois t'imposer certaines abstinences. Vas-y. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible qui n'a pas de valeur. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Voilà. Nous le faisons pour une couronne incorruptible. Ouais, nous,
Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je fais quoi? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, nous voyons l'apôtre Paul qui travaille dur sur son corps. Donc, il y a une crainte. Et cette crainte, c'est qu'on peut être rejeté, même après avoir prêché aux autres. Combien ici vont à l'évangélisation? Levez-les-toi. Combien ici vont à l'évangélisation? À l'évangélisation. Et qui a une fois évangélisé un païen ici? Qui a une fois parlé de Jésus à quelqu'un ici? Non, levez tous les doigts si vous êtes concernés. Tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un? Non. Il faut commencer à... Ah, elle est musulmane. Elle vient de se convertir. Ok, elle vient de se convertir. Gloire à Dieu. Donc ça montre que tout le monde a déjà parlé. Tu l'as déjà fait aussi? Pas encore. Tu es aussi un nouveau converti. Donc il faut savoir que c'est aussi une tâche que tu dois faire. Tu vois? Tous ceux qui sont ici, la majorité, je peux dire 95%, ont déjà parlé de Jésus à quelqu'un. Mais tu peux te dire que parce que je parle de Jésus, j'évangélise, j'accomplis la volonté de Dieu, voilà, Dieu va me parler de tout et je serai sauvé. Non, l'apôtre Paul qui est un grand prédicateur dans le Nouveau Testament, ici est en train de dire qu'il a peur d'être rejeté par Dieu. Ça montre que Dieu là, il n'a pas d'amis lorsqu'on ne respecte pas sa parole. Il est ami avec toi lorsque tu es dans sa parole. Et il respecte lui sa parole parce que son cachet, son sceau est dans sa parole. Donc celui qui ne respecte pas sa parole n'est pas ami avec Dieu et Dieu peut le rejeter. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, 21, il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, vous qui commettez d'iniquité. Parce qu'ils n'ont pas fait sa volonté. Ils ont fait tout en leur propre nom. Ils ont fait les miracles. Ils ont guéri des âmes. Ils ont rempli le ciel. Mais eux-mêmes, ils ont été quoi? Ils ont été comme des racouleurs. Moi, je t'envoie, mais moi-même, je ne pars pas. Moi, je cherche les clients pour le ciel. Mais moi-même, je ne vais pas au ciel. Ça, Dieu ne veut pas. À partir de aujourd'hui, Dieu veut que vous tous, ici, vous puissiez entrer au ciel. Et il veut que vous compreniez que vous avez une part de responsabilité. Et vous devez réellement travailler vous-même. Et en ajoutant à ce travail, le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et vous serez totalement parfait. Et votre âme, votre esprit et votre corps seront totalement sanctifiés et prêts pour son avènement. Le roi d'arrêt, comme c'est pour nous, comme arrêt, mon d'aulgir d'aurait, t'es mon vie d'aurait, qui doit s'y aller. Voyez, hier, mon petit copain, t'as été le métier. Nir mon andam, nir mon vie, mon bain sous terre, yala n'a pas, hamou malo, voilà, hamou malo. Le roi d'arrêt, qu'est-ce que vous n'avez que ce que j'ai dit? Daganara, liguez vous, bah, nir mon âme, tout le monde est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, après votre sanctification. Après d'abord votre confession, votre repentance et votre processus dans la sanctification, il va commencer à vous libérer totalement de ces choses. Et va contribuer à votre délivrance. Ça, c'est Dieu qui va le faire. Si vous faites votre part, Dieu lui fera sa part. Yalla mom ci bopom bo feñala sey bakkar tup sey bakkar tambalé dox ci yoonu sey lay mom ci bop dina commencé di génné bëpp mumu bakkar bëpp bumu jax sey Seigneur, lorsqu'il est venu, il a annoncé l'ordre de sa mission. L'ordre de sa mission, il a annoncé dans Luc 4, 18. Il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la délivrance aux captifs, la liberté aux captifs, pour proclamer une action de grâce de l'Éternel, une nation de voilà une année de grâce du Seigneur. Le mot d'arrêt Borombi, li yegalal nako ba pare ci cadeau pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le mot d'arrêt mon xelum yalla mu ngi ci man ngir mo meuna jelele ngir mo meuna dindi bepp bu mu jam mu nek ci doom adam. Toi qui cherches la délivrance, yow mi bëgg
Il faut suivre toutes ces étapes. La délivrance aussi fait partie des conditions à remplir pour réellement être prêt. Parce que tu ne peux pas entrer au ciel avec les anciennes habitudes, avec le même péché et avec les démons qui étaient en toi lorsque tu étais dans le monde. Et cette délivrance dont nous parlons aujourd'hui s'opère lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même l'a annoncé dans Ésaïe 35, 4, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, voici votre Dieu viendra, la vengeance viendra, et il viendra lui-même dans sa rétribution, et il vous sauvera. Il va vous délivrer lui-même. Mon petit bonbon, Esaïe 34. 35, Esaïe 35, verset 4. Verset 4, mon petit bonbon, Dilegno, Nir Moutonio. Alléluia. Amen. Lisez-moi le livre de 2 Timothée 4, verset 18. De Timothée chapitre 4 au verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Le Seigneur me délivrera. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui vient après? Avant plutôt. De Timothée 4, 18, nous allons voir ce qui vient avant. De Timothée chapitre 4 au verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul a fait sa part en prêchant la parole. C'est pour définir après. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Le Seigneur me délivrera. Paul a l'assurance. Il a cette assurance que c'est fini. Je suis sûr que Dieu ne m'abandonnera pas. Le Seigneur ne peut pas m'abandonner parce que je marche selon ce qu'il a dit. Alors, il me délivrera. Le Seigneur, le juste, me délivrera. C'est Paul devant moi. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. C'est le but. Il me fera entrer dans son royaume céleste. Et même il le fera aussi pour toi. C'est pourquoi il nous a envoyé ici au Sénégal. Parce qu'il veut faire entrer tous les Sénégalais dans son royaume. Et parce que tu es Sénégalais et que tu as accepté Jésus et que tu appartiens maintenant à Jésus et que tu acceptes marcher selon sa volonté, le Seigneur ne t'abandonnera pas et il te fera entrer dans son royaume. Acclame le Seigneur Jésus. Lisez-moi aussi 2 Corinthiens 1, verset 10. Nous tendons un peu vers la fin. 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que l'enseignement passe bien? Est-ce que ça s'assimile? Acclame encore le Seigneur Jésus. Ok, vas-y. C'est lui qui nous a délivrés. Et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. C'est lui qui nous a délivrés. Et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivre encore. Là où vous êtes, Dieu vous a délivré déjà. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez?
Le verset a parlé de trois types de délivrance. Il dit, il nous a délivrés. Et il nous délivrera de la mort. Et nous espérons qu'il nous délivrera encore. Cela veut dire quoi? Il nous a d'abord délivré de la gueule de Satan. Le royaume des ténèbres à sa lumière. Il nous a sauvés de la prison du monde. Et maintenant, il nous a aussi délivrés de nos péchés. Les péchés qui nous ont tués, qui nous ont rendus morts. Et nous sommes des morts spirituellement. Il nous a délivrés aussi du péché. Et maintenant, nous espérons qu'il va nous délivrer au jour où il reviendra. Il va nous délivrer de ce corps, le corps de la mort, le corps du péché. Et cela en parlera de quoi? La victoire sur la mort et la délivrance totale de notre corps du péché. Là, on parlera de la résurrection finale de tous les croyants. Alléluia. Amen. Il nous délivrera encore, encore et encore. Il nous a envoyé ici pour mettre un cachet ou un son sur chacun de vous. Parce que vous ne pouvez pas faire le travail seul. Vous ne pouvez pas faire le travail seul. Il faut quelqu'un pour vous dresser le chemin, pour vous montrer la lumière, pour vous montrer la voie à suivre. Et il nous a envoyé pour vous tracer ce chemin. Et pour vous aider dans cette marche. Parce que vous étiez comme des brebis sans berger. Vous étiez comme des brebis livrées à eux-mêmes. Maintenant, le Seigneur envoie ses serviteurs pour finaliser le processus. Et là, nous allons parler de la délivrance par l'imposition des mains. Nous venons de voir la délivrance par l'application de la parole de Dieu, toujours dans la marche, dans la vie de sanctification, mais ici aussi. Et la délivrance aussi par Christ, par Dieu lui-même, et aussi la délivrance par imposition des mains. C'est très important. L'imposition des mains, d'abord, c'est l'exercice de l'autorité par les hommes de Dieu que Dieu a choisi pour prier pour nous pour n'importe quelle situation, que ce soit pour la guérison, pour la délivrance, pour le baptême du Saint-Esprit, pour le baptême d'eau, etc. Je ne sais pas si tu as dit que 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 donc le Seigneur aussi va déployer son autorité à travers ses serviteurs pour accomplir votre délivrance. Ça, c'est ce que le Seigneur lui-même fera. Après votre obéissance. Vous devez savoir ceci. Que l'imposition des mains est une doctrine biblique. Et cela a été pratiqué par les apôtres avant nous. Et cela doit être aussi pratiqué par nous qui sommes venus après eux. Dans Hébreux 6, le verset 1, il est écrit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est le fondement que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, nous sommes en train de poser ce fondement aujourd'hui. Et Dieu nous demande
Je nous demande de tendre à ce qui est parfait. Après, nous allons poser le fondement. Le fondement de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous voyons que l'imposition des mains fait partie aussi de ces doctrines, de ces éléments du fondement. Et les anciens de l'Église doivent prier pour votre délivrance par imposition des mains. Et cela implique l'exercice d'une autorité, et d'une suprématie sur les esprits méchants, sur les esprits impurs dans votre vie. Et toute personne dans l'assemblée des saints qui aspire à marcher avec le Seigneur dans la vérité, loin des oppressions et des possessions démoniaques, a aussi besoin d'une prière de délivrance par l'imposition des mains des hommes de Dieu qui l'a envoyé lui-même et qui prêche la vérité. Voilà, rap, lolo, n'est-ce pas? Le péché a aussi ses alliances. Le péché aussi ses origines. Le péché est lié à leur famille. Et ils sont adultères dans la famille. Et personne ne peut arrêter ce péché parce qu'il est lié à la famille. Donc ce n'est pas par une décision qu'on peut abandonner ce péché, mais ce n'est pas l'intervention d'une délivrance, c'est pas l'intervention de Dieu lui-même qu'on peut abandonner, on peut arrêter ce type de péché. Amna bakari yo xamantene nekulti yow rek la joge waye da ka donu debi sa sa njabot motax nga gis ñeneen dañuy dëkk ci ndialo waye nekul ni sen ciobara. Aujourd'hui les plus considérés dans les églises, les plus considérés dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, parce que les gens estiment que Dieu nous a déjà délivrés, Christ nous a déjà délivrés, mais les démons sont toujours là, les aliens sont toujours là. Dieu nous a pardonné, on s'est répandu, mais on continue d'être influencé par ces choses. Alors il faut quoi? Il faut une autorité pour nous libérer. Et Dieu a prévu toutes ces choses pour votre délivrance et votre libération. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui-même nous a donné l'autorité sur les esprits, nous a donné l'autorité sur les démons, et il nous a promis nous libérer et nous délivrer de toute oppression satanique. La préparation aussi se passe aussi par le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Jean pourrait dire que moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Sans le baptême du Saint-Esprit, tout le travail du début jusqu'à ce niveau est néant et ne signifie rien. Vous allez travailler, mais ce sera comme vous l'avez fait par vous-même. Lorsque le baptême du Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit maintenant va vous enseigner comment continuer la marche, comment marcher après votre délivrance. Nous croyons aussi au baptême du Saint-Esprit. Et nous croyons que sans le Saint-Esprit, personne ne peut réellement hériter le royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui va nous attirer lorsque Jésus va revenir, lorsque l'époux sera là, lorsque Christ sera là. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons monter. Alors si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas partir. D'où vous avez besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ.
Qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Avant la fin de notre mission, le Seigneur va vous baptiser tous de son esprit. Le Seigneur va vous baptiser tous de son esprit. Il va mettre un cachet, il va mettre un seau. Mon délivrance et il va achever votre délivrance. Désormais, tout ce que vous allez faire, tous les pas que vous allez poser seront faits par le Saint-Esprit. Toutes les décisions que vous allez prendre seront prises par le Saint-Esprit et votre vie sera totalement renouvelée. Vous allez voir que votre adoration même va changer. Votre manière de servir le Seigneur en assemblée, même étant seul à la maison, tout va changer parce que le Saint-Esprit sera désormais le centre de votre vie. Je vous appelle à vraiment vous disposer pendant tout ce moment de séminaire. Les enseignements vont juste préparer le chemin pour que l'Esprit de Dieu vienne. La finalité de tout ce que nous faisons ici au Sénégal, c'est de mettre sur pied une église qui est bâtie sur les fondements de la sainte doctrine et une église qui marche selon le Saint-Esprit. Alors, nous avons une église dans la parole, édifié sur la parole, mais aussi une église de puissance. Donc vous serez une église remplie de puissance. Et c'est devant cette église que Satan ne peut pas résister. C'est cette église. C'est de cette église le Seigneur parlait lorsqu'il dit « Je bâtis sur toi mon église, car tu es Pierre et les portes du séjour. » Alléluia. Après le Saint-Esprit, le baptême d'eau, c'est juste un acte que vous-même, un acte d'engagement pour montrer au Seigneur que vous acceptez, marcher avec lui et le suivre. Et après, le Saint-Esprit va suivre tous les autres éléments. Et ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va vous guider, par exemple, dans la prière, dans le jeûne, dans la vie de consécration entre vous et Dieu lui-même. Par le Saint-Esprit, votre communication avec Dieu sera désormais facile. La Bible dit que la prière est fait vent du juste a une grande efficacité devant Dieu. Et la Bible nous demande dans 1 Thessaloniciens 6, 17 de prier sans cesse. Et dans Éphésiens 6, 18, il nous a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, 18, Kadouya le Guinéna, Founitolo, Nani Nyan, Te, Japonou de Ligue, Bouvard, toutes sortes de prières. Ça montre que la prière n'est pas monotone. Ce n'est pas la même chose qu'on dit, mais on se laisse conduire par l'Esprit. Devant chaque situation, devant chaque circonstance, l'Esprit t'oriente et te dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour que Dieu exauce ta prière. Et le Seigneur Jésus lui-même va vous donner son esprit afin que votre vie de consécration puisse vraiment changer. Le Dévénignan, n'est pas le Dévénignan, n'est pas le Dévénignan, n'est pas le Dévénignan. Et la prière doit se faire en tout temps, en tout temps, en tout temps. La prière en esprit, en tout temps. Tenyam qu'on était avec le Seigneur. Alléluia. Il y a aussi un élément qui est très important. Qui contribue à notre préparation. Et sans cet élément, vraiment, on ne peut pas réellement être prêt. L'adoration. L'adoration doit se faire en esprit. Comme le Seigneur lui-même nous dit, il faut que les vrais adorateurs adore Dieu en esprit et en vérité. Comme il y a le nom du corps, il faut ni magalial
Celui qui adore Dieu se connaît à l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et lorsque tu entres dans l'adoration, tu entres dans la dimension céleste. Tu entres dans la dimension de l'esprit. Et en adorant Dieu et en t'efforçant de l'adorer, à chaque fois, tu finiras par te connecter totalement à lui et tu ne considéreras plus les choses de la terre. Si vous voulez réellement que votre esprit soit toujours connecté avec l'esprit de Dieu, il faut que vous soyez de vrais adorateurs. Il faut que vous aimez adorer Dieu, même dans votre intimité, mais aussi dans l'assemblée. Lorsque vous réunissez, adorez Dieu seulement. Adorez Jésus seulement. Adorez-le profondément. Laissez-vous prendre par l'esprit. Vous allez voir. Dieu va faire de grandes choses, des choses terribles, des choses qui ne se passent même pas dans les autres églises. Les églises qui pensent déjà arriver, qui pensent qu'ils sont déjà forts, qu'ils ont déjà Dieu, ils connaissent Dieu que vous. Vous serez petit en homme, mais puissant en esprit. La prière et le jeûne seulement ne suffisent pas. L'adoration aussi est très importante. Quand tu adores, le Seigneur est content et il descend. Et quand le Seigneur descend dans ton adoration, il te transmet encore sa puissance. Il te transmet encore sa puissance. Et l'intimité entre toi et lui se renforce encore davantage. Et finalement, tu ne seras plus un homme charnel, mais tu seras un homme spirituel. Parce que tu as plus de relations avec le spirituel que le charnel, que le physique. Alléluia. Et le dernier point que nous allons aborder, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Après la sanctification, la repentance, après avoir reçu le Saint-Esprit, il faut maintenant aller parler à ceux qui sont dans le monde. Le Seigneur a dit dans sa parole dans Matthieu 28:19, il dit, il nous envoie dans toutes les nations pour aller parler de lui, pour aller prêcher, pour sauver les âmes. Si tu n'évangélises pas, tu seras faible. Et tu ne seras pas un combattant. Le diable peut avoir facilement la main sur toi. C'est important d'évangéliser. L'évangélisation représente le feu, le zèle, la flamme qui brûle. Et lorsque tu vas évangéliser, tu inspires ce feu qui brûle en toi. Et ça augmente encore plus ton amour pour le Seigneur Jésus. Quelqu'un pour me dire ce qu'il ressent lorsqu'il finit d'évangéliser. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu reviens du champ d'évangélisation? Qu'est-ce que tu ressens? Oui. Non, levez-vous. Le micro. Parlez à haute voix. Sinon, le micro aussi. Où est-ce? Bon, allez-y. Bon, envoyez-le ça. Allumez. Oui, lorsque... Allume. Je reçois plus de force, de vigueur. Lorsque tu vas, tu reviens de l'évangélisation, tu reçois la force et la vigueur. Et le zèle. Et l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu. Et que dans là, Dieu me parle. Et quoi? Dans là, Dieu me parle plus. Et dans ça, Dieu lui parle plus. Ok, d'accord. Donc, c'est comme si que ma vie change quoi. Même voilà. Si avant, j'avais la honte. Dans l'évangélisation sur les rues. Des fois, quand je monte dans la voiture, il y a quelque chose qui me pousse. Allez-y, parle aux gens. Et puis, les gens sont attentifs. Ils m'écoutent attentivement. Alléluia. Comme si que c'est Dieu qui les parle. Amen. C'est ça. Qui peut parler encore? Qui veut parler encore? Mais elle a tout dit.
Nous avons la sœur Karine qui veut aussi réagir. Alléluia. Amen. Pour moi, lorsque j'évangélise, je ressens une joie en moi. Après l'évangélisation, bon, je suis toujours dans la joie. Tout ce que je rencontre sur mon chemin, j'ai envie de les évangéliser. Alléluia. Cette joie, c'est ce qu'on ressent après avoir accompli la volonté de Dieu. Shalom. En fait, moi, quand après l'évangélisation, je ressens la compassion pour les âmes. Je vois combien de fois les âmes souffrent. Et je me rappelle que moi aussi, j'étais comme eux. Et aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. Et ça me donne encore, l'amour d'aimer les gens qui sont autour de moi, même dans ma propre maison. Alléluia. Ça montre que l'évangélisation fait du bien à l'âme. Ok, allez-y. Voilà, moi, ce que je peux ajouter, lorsque je sens l'évangélisation, je reçois une joie énorme. Comme je reçois une joie énorme. C'est-à-dire quand je vois aussi les gens qui n'ont pas encore connu le Seigneur, cela me fait très mal au cœur. Je dis, si les gens savaient qui est le Jésus-Christ, ils allaient donner leur vie à Jésus. Parce que les temps sont presque finis. Voilà. En tout cas, moi, j'ai envie tout le temps de les parler de Jésus pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Elles ont déjà tout dit. Vous devez savoir que le Seigneur vous appelle à gagner ses âmes. De même qu'il vous a sauvé, il vous a racheté, il veut faire aussi de vous des gagnants d'âmes. Il veut aussi que vous sortez pour sauver ceux qui se perdent. Eux, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne savent rien. Mais vous, vous avez déjà accès à la vérité. Et en le faisant, vous rapprochez encore davantage de Dieu. Et vous rapprochez encore davantage de sa venue, de son avènement. Et vous sentez que vous avez l'assurance que si Jésus revient aujourd'hui, je serai avec lui. Ou bien est-ce que j'ai menti? Voilà. Parce que je fais ce qu'il a dit de faire. Mais quand tu n'évangélises pas, c'est comme si tu es éloigné. Donc chaque élément que nous avons cité ici n'est pas négligeable. Dans Marc 16, 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde doit entendre. Et Jésus dit dans Matthieu 10, 27, ce que je vous dis dans le secret, dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Le mot d'amour est dans Matthieu 10, 27, les poules vont être roi sur le nom. Ne gardez rien. Tout. Dites tout seulement. Même si les gens n'acceptent pas, vous avez semé en eux. Même si tu sors et tu évangélises et personne ne t'écoute, tu as semé, tu as fait ton travail. Au moins, une seule personne sera semée. Même s'il ne vient pas se présenter à toi pour demander pardon à Dieu, pour confesser Jésus, il sera sauvé. Parce que tu as fait, ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, lorsqu'il va rencontrer un autre évangéliste ou un autre serviteur de Dieu qui va lui parler peut-être des mêmes choses que tu lui avais dit. Et cela va servir de témoignage et de confirmation. Nous, on a déjà vécu ça. Des gens qui acceptent le Seigneur parce que dans la même journée, dans le même jour, 2 personnes lui ont déjà parlé de Jésus. Et il a refusé, il a ignoré. Et il tombe sur la 3e personne. Lorsque nous lui parlons, il dit, waouh, cela montre que c'est vraiment important et que Dieu m'appelle vraiment. Les premiers, est-ce qu'ils ont été les moindres? Ils ont été importants aussi. Si eux, ils n'avaient pas parlé et que cette personne est tombée uniquement sur nous, peut-être qu'elle ne croira pas. Donc, eux aussi, leur rôle a aussi joué dans la conversion de ces gens-là. Le droit d'évangéliser de femme guérie, même selon qu'elle nous dégoule, comment les lunettes.
L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9:16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le mot à s'imposer, man mille, tabou yalagi, fokmo wasareko, soumoko wamdam. La nécessité qui est imposée à Paul, Paul lui côté moi, veut dire qu'il doit le faire, il doit le faire pour monter à Dieu qui n'est pas ingrat. Lolo de côté, nir, mon mouan yalani, mon. Quand on parle d'une nécessité, on voit encore une obligation. Et cette obligation n'est pas par la force. On te dit, va évangéliser, forcer, tu dois sortir. Non. Mais c'est parce que Dieu m'a sauvé, parce que Christ m'a sauvé, je me vois redevable à lui afin d'amener encore d'autres personnes qui vivent la même vie que je vivais pour les sauver aussi. C'est de ça l'apôtre Paul parle. Et tous ceux qui ne le font pas, arrêtez, s'attire sur eux-mêmes un mal. Ce n'est pas Dieu qui te condamne, mais tu te condamnes toi-même. Et si tu te condamnes toi-même, tu es sous la condamnation de Dieu. Nécessité pour vous, ne pour que les saints pour y'a de quoi imposer. Ouais, le gars y'a la joie de faire. Mon devant Disney, fou ton honneur, mon femme ou assaré. Mon assaré ou le démeni, ni mon qui va comme, comme lui de l'eau du col. Et le pouvoir de vous rec, y'a aussi sa voix, y'a qui danse au bout. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. L'évangélisation. Alléluia. Amen. Nous allons faire un peu le résumé de tout ce que nous venons de dire pour finir. Au début, nous avons parlé, nous avons dit que le thème général du séminaire est comment s'organiser pour la rencontre de l'époux. Et le thème de ce jour est Jésus revient. 2 points, les exigences et conditions pour une bonne préparation. Nous avons d'abord parlé de pourquoi nous devons nous préparer. Nous avons expliqué que notre cité est du ciel et que notre cité n'est pas de ce monde. Nous avons aussi expliqué qu'à cause de cela, Dieu nous considère comme étant des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Et nous devons tout faire pour nous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à notre âme en nous rapprochant de Dieu et en nous affectionnant aux choses du ciel. Et après cela, nous avons parlé que le péché fait partie de ces convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Nous avons cité quelques péchés avec les passages bibliques que nous avons énumérés. Et face à ces péchés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous confesser notre péché. Mais il est important aussi, quand nous confessons notre péché à Dieu, et que nous recherchons une vraie délivrance, que nous puissions confesser aussi ces péchés devant un serviteur de Dieu qualifié pour vraiment nous suivre et nous aider à ne pas retomber dans ce péché. Et après cela, nous avons parlé de l'abandon du péché qui est totalement important, comme la repentance, le renoncement total. C'est ça que Dieu recherche. Après le renoncement, nous avons parlé de la sanctification qui est une œuvre de Dieu. Dieu lui-même qui nous sanctifie, nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et nous avons parlé aussi de la sanctification qui est notre responsabilité aussi. Nous devons nous sanctifier, nous préparer et ôter la souillure, nous séparer des choses qui nous éloignent de Dieu. Après la sanctification, nous avons aussi parlé de la circoncision du cœur dont nous avons aussi besoin. Nous avons aussi parlé après de la sanctification, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit dont nous avons besoin et aussi de la délivrance par Dieu lui-même et la délivrance par imposition des mains des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu et aussi le baptême du Saint-Esprit. Nous avons aussi parlé brièvement du baptême d'eau qui fait aussi partie des doctrines du baptême. Et après cela, nous avons montré comment le Saint-Esprit va nous accompagner, va nous aider dans la prière, dans la vie de consécration, la vie de jeu, dans notre vie quotidienne d'adoration et aussi dans notre vie d'évangélisation. Alléluia. Amen. Qui est prêt à marcher selon ces normes, ces exigences et ces conditions? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci
Merci Seigneur pour cet enseignement que tu as encore donné à tes enfants aujourd'hui, afin qu'ils se préparent pour ton retour, afin que chacun sache comment se tenir, comment se préparer, Seigneur, lorsque tu vas revenir. Je prie, Seigneur, que tu puisses aider ceux-là qui sont faibles, ceux-là qui ont besoin de secours, ceux-là qui ont besoin de toi, que tu puisses les aider, que tu puisses leur donner la force de se préparer réellement. Oui, pour que lorsque tu vas revenir, ils puissent être enlevés également avec toi. Seigneur, je prie que ceux-là dont l'ennemi les a gardés en captivité, ceux-là qui sont en captivité, je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses les libérer de la captivité. Je prie maintenant que cet enseignement soit comme une lumière dans le cœur et que cet enseignement puisse servir de chemin, puisse servir, oui, Seigneur, de lumière pour chacun, afin qu'il puisse marcher sur ta voie. Seigneur, garde l'enseignement dans le cœur. Scelle l'enseignement dans le cœur. Et que chacun marche selon cet enseignement pour être réellement prêt lorsque tu vas revenir. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te levons, nous te saluons. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.